Non. Comme Allah l'a dit ceci dans le Coran, oui. Il aime uniquement pour qu'il m'adore. Bien sûr. Dans le but de la création de l'être humain, non. C'est d'adorer Allah, bien sûr. Bien sûr. Allah ne veut rien de nous. Oui. Allah veut uniquement qu'on l'adore. Bien sûr. Ah non, on ne peut pas nourrir Allah. Non. Mais c'est Allah plutôt qui nous nourrit. Vas-y. Donc, si tu adores Dieu en dehors d'Allah, mon frère et ma soeur, non. Et que tu mets dedans, oui. Tu vas aller directement à l'enfer, bien sûr. Alors, donc, comme nous sommes soucieux de vous, comme vous êtes nos parents, non. Nous, on s'est choisi de venir vraiment se mettre en ce milieu de ce rond-point-là, non. De vous faire l'appel. Oui. De vous faire comprendre que le chemin que vous avez choisi, oui. N'est pas la bonne. Que de revenir en arrière. Car l'islam est la religion qui n'associe rien à Allah. Vas-y. L'islam est la religion qui enseigne d'aimer les autres. L'islam est la religion de dire de partager. Et oui. L'islam est la religion qui donne le droit aux orphelins. Si c'est vrai, tu vas me dire que ta religion t'enseigne ça. Non. Que ta religion associe quelque chose à Allah. Oui. Ok, Allah, il est unique dans sa création. Allah, il n'a pas été associé dans sa création. Comme Allah nous dit ceci. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré non plus. Non, non, non. Si Allah n'a pas été engendré, oui? Et qu'il n'a pas engendré, vas-y. Pourquoi en ce 21e siècle, non. On nous enseigne qu'Allah est venu dans ce bas monde, oui? Sous forme humaine, pour venir se faire tabasser, oui? Par ses créatures, afin de pouvoir pardonner le péché de ses créatures. Vas-y. Non, on dit que ça, c'est pas Allah. Maintenant, non. Pour ne pas qu'on va dire des choses ici, tu vas dire nous sommes des menteurs, oui? Nous, on t'appelle d'approcher. Non. Et de venir te mettre à côté de nous ici. Vas-y. Tu écoutes d'abord le rappel. Oui. Et nous te donnons la possibilité de poser tes questions. Non. Parce que ici, nous, on ne fait pas la discrimination. Oui. On te laisse le temps de poser toutes tes questions que tu veux poser, bien sûr. Bien sûr. Et nous, on fait le rappel encore. Oui. Car Allah a dit ceci dans le Coran. Non. Ya Mohamed, rappelle-le quand le rappel profite aux croyants. Vas-y. Nous, on fait le rappel à qui? Non. Le rappel à ceux qui se sont déjà saisis au cap d'Allah. Non. L'appel à ceux qui sont déjà musulmans. Non. L'appel à ceux qui veulent vraiment être dans le bateau du prophète Mohammed. Allez, vas-y. On fait l'appel à ceux ici là. Oui. Qui se conforment aux lois de l'islam. Vas-y. Nous on fait l'appel bien sûr. Non. Inch'Allah. On fait le rappel autant pour moi. À ceux ou celles là. Oui. Qui se disent déjà des vrais musulmans. Vas-y. Mais on fait en même temps le rappel. Non. À ceux qui s'appellent Madou Bessé. Oui. Pardon, faut changer ton nom, faut t'appeler, faut prendre le bon nom. Enfin le rappel aussi. Oui. À celles qui changent leur nom et qui savent se mettre dans les bois de nuit pour dire que ce n'est pas interdit en islam. Vas-y. Qui est ignorant des écritures. Non. Toi, on te fait des rappels. Oui. On fait le rappel aussi à ceux qui ont déjà une foi, qui arrivaient, c'était nouveau, de pouvoir, par la puissance d'Allah, de pouvoir encore faire grandir cette foi-là. Vas-y. Parce que ce n'est pas nous on fait grandir la foi de quelqu'un. Non. C'est Allah qui le fait, bien sûr. Bien sûr. Et nous, on fait ce rappel-là. Oui. Alors, le petit Madou pour te dire, reviens à la maison. Non. N'aie pas un pied dedans, un pied dehors. Vas-y. Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, non. Mon frère, tu es au dehors. Bien sûr. Tu n'es pas encore dans l'islam. Vas-y. Parce qu'à travers toi, non. Les personnes vont te voir. Oui. Et ils vont commencer à détester l'islam. Vas-y. Et tu oublies, un jour viendra. Oui. Où tu seras dans ta tombe. Non. Où tu seras seul dans la tombe. Où les anges vont te poser des questions. Bien sûr. Que diras-tu à ton Seigneur? Bien sûr. Au jour de la résurrection, bien sûr. Vas-y, frère. Avec ce bon nom que tes parents t'ont donné. Non. Mohamed. Et toi, tu transformes ça en Momo. Vraiment, mon frère, ma soeur, si tu fais des choses dans l'ignorance, oui. Viens ici et écoute les rappels, bien sûr. Inch'Allah. Vraiment, tu seras édifié dans certaines choses que tu es ignorant. Inch'Allah. Et ton cœur sera vraiment édifié si c'est une parole d'Allah. Bien sûr. Donc nous, on appelle ici à toute personne d'approcher. Non. On ne fait pas de différence. On ne fait pas de discussion. Oui. Ce n'est pas un forum de musulmans uniquement, mais c'est un forum qui rassemble tout le monde. Non. Venez poser vos questions. Inch'Allah. Si nos ustas sont prêts, bien sûr. Mais on ne va pas durer ici. On va appeler les oussas pour venir nous édifier plus. Inch'Allah. Pour venir mieux nous enseigner. Inch'Allah. Bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incrié de la création. Dans le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection, d'aucun défaut. Louange Allah, celui qui nous a donné la vie. Encore en ce dimanche, louange Allah, celui qui nous reprendra la vie en un jour que lui seul en a la date, l'heure, l'instant, la condition, la situation, la manière dont elle se fera. Louange Allah, celui qui ne dépend d'aucune créature, celui qui ne demande l'aide à aucune personne, à aucun moment, lorsqu'il veut faire ce qu'il veut. Et Allah nous dit, fa'alul ma yurid. Lorsque ton Seigneur agit, lorsque ton Seigneur fait quelque chose, on ne lui demande pas compte. On ne l'appelle pas pour demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Que tu sois président, que tu sois corabier, que tu sois le meilleur noussi, que tu sois le meilleur prêcheur, que tu sois je ne sais qui. Le soleil ne te demande pas la permission avant de sortir. Tous ces signes, tous ces exemples, Allah permet de montrer notre capacité que nous sommes de simples créatures très très faibles. C'est pour cela qu'à tout moment de notre vie, chaque fois Allah nous inspire, fait en sorte que nous respirons encore l'air de la dunya. Nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes tous ici, nous sommes tous ici regroupés pour échanger, pour parler, pour se donner des conseils. Parce que vous savez, on a tendance à penser que lorsqu'on suit Allah ou on se met sur la voie de Dieu, on perd sa valeur. On ne peut plus vivre. On ne peut plus être à l'aise. On est coincé, on est en prison. Nous disons à cette jeunesse que c'est une fausse mentalité. L'islam ne nous interdit pas de profiter des délices de la vie d'ici-bas, mais en respectant le cadre dans lequel il a été prescrit. On n'empêche pas quelqu'un d'aller au bureau s'il doit aller travailler. Mais en tout cas, s'il arrive au bureau, il ne doit pas aller crier là-bas. C'est comme ça la vie. C'est ainsi qu'on n'empêche pas quelqu'un de suivre Dieu. Mais dès que tu décides de marcher dans la voie d'Allah, il faut que tu respectes les ordres qu'il a prescrits. C'est ça. Aujourd'hui, les non-musulmans, non, disent beaucoup de choses sur l'islam parce qu'il y a deux éléments qui font cela. Un, il y a ce que le musulman d'abord leur présente comme image. C'est ça. Et à ce que eux-mêmes ils apprennent
dans la vie. Claire. Mais si nous, musulmans, contribuons, participons à ce qu'ils puissent se renforcer dans leur mécréance, nous sommes pire que eux. Et ça, ça s'est vu matin, midi, soir. Mais avant d'aller plus loin, j'ouvre cette parenthèse. Vas-y. Pour remercier Allah. Alhamdulillah. Qui a permis que pendant la CAN, nous avons fait notre part. Et nous savons que cela est dans notre misane. Cela est dans notre balance. C'est le jour de la résurrection. Le jour où on fera ce qu'on appelle les archives. C'est-à-dire, si on veut un jour venir faire les archives de la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils vont parler de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils vont parler de certaines situations qui sont arrivées dans le pays. On peut pas laisser ça pour aller. On va forcément prendre ça comme des archives. C'est comme ça, Allah aussi aura son archive sur nous. Quand nous allons quitter la vie d'ici-bas, Allah viendra avec son archive. Et chaque temps que nous avons passé, il nous montrera ce que nous avons fait dedans. La majorité, beaucoup parmi nous, n'ont pas été dans la chose. La première CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais on a cette chance d'être dans la deuxième CAN que la Côte d'Ivoire a pu organiser. Clean it. Ce jour où Allah viendra, il dit, mais dans votre pays, il y a eu un événement où il y avait peut-être la fitna, il y avait ceci, il y avait cela. Il verra que toi, en tant que musulman, tu as déposé une graine. Tu as déposé une part. Et ça, ça va témoigner pour toi. Inch'Allah. Nous ne faisons que laisser des traces. Mais nous ne pouvons pas rester éternellement dans ces traces. On ne fait que laisser et puis on s'en va. Bien sûr. Donc nous remercions Allah qui a permis que cet événement puisse donner une autre dimension, une autre image de notre pays. C'est ça. La plupart de tous ceux qui sont venus d'ailleurs, lorsqu'ils ont vu tout ce qu'ils ont pu observer en Côte d'Ivoire, d'autres même avaient la nostalgie de quitter la Côte d'Ivoire. Allah. Parce que nous avons pu montrer quelle est la valeur que nous avons réellement en tant qu'Ivoiriens. Bien sûr. Jusqu'à Allah même, par des maillots que les gens confessionnaient et puis on mettait les écritures derrière. Mais pour faire quoi? Pour animer l'ambiance de cette CAN. Claire. Pour dire, on a donné l'image de la Côte d'Ivoire aux gens. C'est ça. À travers le développement qu'on a présenté, à travers l'accueil qu'on a donné, à travers beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une compétition qui se passe souvent dans le monde, souvent aux États-Unis. On appelle ça Super Bowl. En d'autres termes, c'est une compétition. Lorsqu'elle se déroule, elle regroupe plus de personnes qui suivent dans le monde entier, nulle part ailleurs. C'est ça. Mais la CAN de la Côte d'Ivoire a battu cet événement. Là, c'est-à-dire la CAN de la Côte d'Ivoire a battu cet événement deux fois en matière de vue. Parce que quoi? On a mis le cœur. On a fait les prières, on a fait les doigts. C'est ça. Pour qu'Allah puisse mettre la baraka dedans. Pour que ça puisse profiter à notre pays. Donc nous disons Alhamdulillah. Merci Allah qui a permis que cela se déroule bien. Dans la paix, dans la rahma. Jusqu'à ce que nous qui avons présenté cette CAN, nous avons repris le trophée pour laisser chez nous. Mais malheureusement, nous les supporters, on n'a pas une ordre. Donc désormais, il faut que le chef de l'État se penche sur ça. Tiens, les meilleurs supporters, on a aussi à côté, même si c'est 500 000 francs, c'est pas mauvais. Sérieux, sérieux. Mais quand tu arrives au stade, tu vois la douleur que tu reçois là-bas. Surtout quand on ne gagne pas. Et puis l'autre équipe t'a gagné, puis tu dois sortir devant un boyen qui t'a gagné. Attention. Tu vois comment tu deviens sur le champ. Toute humiliation est sur toi. Donc il faut qu'il y ait au moins tous des supporters. C'est ça. Et ils peuvent pas. Eux, ils ont pris joie. Ils ont pris trophée.
ils ont pris Jay, ils ont pris Bonnet, ils ont tout pris. Nous supportons Naïkwa. C'est wow seulement. C'est pas normal. Créer notre trophée, nous en gagnons aussi un peu dedans. Mais en tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vraiment met la baraka. Amen. Qu'Allah fasse que on ait toujours ces événements qui vont permettre de présenter notre pays comme étant un pays d'accueil, Amen. Un pays social, un pays qui aime les autres et un pays qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Pas du tout. Et qui ne veut pas aussi avoir des problèmes avec quelqu'un. C'est ça. Et qu'Allah nous aide encore. Amen. Et qui met la baraka. Et nous dit Jama au-delà de cela, à faire ce qu'on appelle la Dawakan, que vous avez vu, où nous sommes partis distribuer des Corans aux abords des différents stades. Et par la grâce d'Allah, sur le même lieu, sur le même champ, nous avons pu avoir des convertis, nous avons pu avoir des non-musulmans. Ce n'est pas des enfants, c'était des pères de famille, des responsables qui ont pris le Coran avec des informations vraiment capitales pour eux. Ouais. Qui était surpris de voir qu'on a le Coran en français, on a le Coran dans les différents enjeux, on peut lire ça en français. Allah, et nous ne pouvons que dire Alhamdulillah. Le jour Allah nous rappelle, oui. On sait qu'on a déposé notre part. C'est ça. On sait qu'on a fait ce qu'on pouvait faire ouais. En tant que musulmans. C'est ça. Nous ne rentrons pas dans la logique de dire c'est haram, c'est halal, c'est pas halal, c'est déposé ici, il a déclaré ici. Ça, ce n'est pas notre problème à nous dire. C'est ça. Nous avons fait, c'est-à-dire si on arrive auprès d'Allah, lorsque vous êtes en train de vous battre là, c'est vous les autres êtes en train de vous battre, c'est haram, c'est halal, c'est haram, c'est halal. Nous dit Jama, nous on vient à côté, Allah nous dit, bon, les petits, j'ai vu que vous avez mis ma parole, vous avez donné ma parole à ceux qui ne sont pas musulmans. Venez. Chaque fois dans le Coran dénonce les conflits entre les musulmans. Bien sûr. Le Coran a toujours dénoncé ça, c'est-à-dire les conflits entre les musulmans. Le Coran a toujours dénoncé ça. Claire. Mais bizarrement, malgré il y a beaucoup de versets dessus, non? Mais c'est les musulmans qui viennent faire les discours entre eux. On vient se chamailler sur des sujets qui n'ont rien à voir. On vient se chamailler sur des sujets qui n'apportent absolument rien pour une famille. Qu'Allah récompense chacun d'entre nous. Amen. Qui met la baraka et qui nous aide tous. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes là encore pour lancer le message de l'islam. C'est une parenthèse que je voulais donner. Aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé. Je vais laisser la parole à mon frère Kofi pour qu'il puisse intervenir. Kofi, bismillah. Ok, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Louange Allah, le Seigneur du monde, Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. Chers parents, encore une fois de plus, on doit être fait d'être musulman. Et ça fait un bon moment, mes papas, avec auprès des frères. L'islam c'est la vérité et rien que la vérité. Souvent on m'appelle, on ne te voit pas, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est par rapport à... C'est connu de tous, hein. Il y a un petit point, Inch'Allah, pour la grâce d'Allah. Comme c'est un nouveau, il faut qu'il reste un peu là pour un bon moment. Voilà, donc c'était juste un peu ça, sinon il n'y a rien. Ceux qui m'appellent, ils ne savent pas pour eux. Il y a quelques jours, on peut camoufler, sinon il n'y a rien. C'est problème de travail. Alhamdulillah, c'est depuis hier. J'ai fait un peu la santé, Inch'Allah, et puis aujourd'hui, je suis là. Inch'Allah, ça va dans la famille. C'est juste une parenthèse, il n'y avait absolument rien. Voilà. Je ne suis pas là, mais si je ne suis pas là, qu'ils sont là, c'est comme je suis là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, Alhamdulillah. Ah. Mon frère aussi, il est un peu vertige, quoi. Moi, c'est décalé un peu quelques temps, au moins quelques minutes, et puis Inch'Allah, si elle a fait la terre, elle va venir ici, Inch'Allah. Donc, comme il le disait, la famille, c'était juste un peu ça, vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, il y a absolument rien s'intéresse par rapport à mon boulot, là, Inch'Allah. Mais, par la grâce d'Allah, ça va, je suis là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah.
Vous savez, ça fait un bon moment où les gens parlent de Dieu, Dieu, mais on ne nous présente pas qui est réellement Dieu. Parce qu'il est plus facile de dire un mensonge, mais très difficile de le soutenir. Bien sûr. On dit, porte mon maillot, tout le monde aussi se met dans le maillot. À la mandi maintenant. Dans chaque parable, vous saviez, être musulman c'est une grâce. Être musulman c'est un honneur. Être musulman c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Parce que c'est Allah qui nous a élus. C'est Allah qui nous a choisi. Et lorsque moi je parle d'Allah, lorsque j'apprends, je tiens le micro à la main, je ne vois personne d'autre que Allah. Parce qu'il y a une sourate. Lorsque mon frère était à la mercy, il ne me trompe pas dans la sourate 914 à 116 par là. Tout premier premier de mosquée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a fait quelques enfants là-bas. Et moi j'ai fait une vidéo là-bas, je n'ai pas encore publié ça. Où j'ai parlé beaucoup des pays africains par rapport à toi, que j'ai fait les chambres par la case Allah. Pour dire Allah nous a fait grâce. Et moi personnellement, je dis Alhamdulillah. À travers ce qu'Allah m'a montré. Et lorsqu'on est quitté la mer, qu'on est arrivé à Abidjan, mes épreuves ont commencé. Mais j'ai trouvé que non, ça c'était un plan de Dieu. Attends, Allah, on vient d'arriver, tu commences ça là. Ils vont penser quoi de quoi? On dit bon, tout que ça n'a pas pris. Hein. Toi, tu quittes la mer, tu es arrivé un mois après, on est ton coin là. Faut que tu quittes là. Vas-y. Allah. Non, faut pas me renier. Hein. Parce que je me connais plus de mes parents là. Tu as quitté la mer, tu es arrivé un mois après, on est tes bras. Mais j'ai compris que Allah, où c'est comme ça, il vient prouver ceux qui prétendent parler de lui. Bien sûr. Et puis j'ai accepté. Donc aujourd'hui, la famille est celui-là. Et maintenant, là, on va augmenter un peu le volume. Là. Vas-y. Les trous d'avant, peut-être on va. Comme on sera un peu. On va élever les niveaux. Hein? C'est un peu ça, en tout cas, il y a tout dedans. Dans la famille, Allah est bon. Allah est celui qui entend. Mais sa manière d'entendre pour nous, c'est la même chose. Non. Au nom de Dieu est partout, oui. C'est bien. Dieu est partout. Donc il est partout. Allah me plaît. Allah me plaît trop. Donc chers parents, Allah, que nous on adore matin, midi et soir. Et on voit un groupe de gens qui se moquent de nous les musulmans. Mais pourquoi c'est Allah, c'est pas autre nom? Mais il ne comprend pas, par exemple, chez nous. Miam miam. Qui peut dire naïque que ce n'est pas le nom de Dieu dans ma langue? Qui peut dire ça? Question. Hein. Même Agni le plus toquant de la terre, il va dire ça avec le créateur. Il n'y a pas de débat. Mais depuis quand Allah a dit qu'il a fait alliance avec un Agni? Dans quel livre Allah a dit qu'il a fait alliance avec un Baoulé de Côte d'Ivoire? Pas du tout. Mais on accepte tous les noms, hein? Mais sauf c'est d'Allah. Bref. On a compris que Satan a fait un travail de fond. Même tous les faux noms qu'on attribue à Dieu, tout le monde est d'accord pour ça. Mais quand on parle d'Allah net, tu vois les vidéos comme on dit dans le citron. Ça manque, les gens n'aiment pas ce véritable nom. On peut trouver tous les noms de Dieu, mais quand on dit Allah, il y a un problème. Là où se trouve le vrai Dieu, il y a toujours problème. Bien sûr. Où ça se marie la lettre, c'est toi ou bien c'est qui? Faut bien écouter mes débrouilles. Vas-y. On va prendre Sourate 22, verset 62 d'abord. Sourate 22, 62. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Stop. Lorsqu'on prend deux billets, on doit envoyer un vrai et puis quoi? Celui qui s'est promis faux, puis le compte t'a fait quoi? Tu as un problème en tout cas. Celui qui a l'air quoi? C'est ainsi que Allah est lui le vrai. C'est ainsi que qui est vrai? Allah. Mohammed? Allah. Salomon? Allah. Reprends. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Allah est quoi frère? Allah est lui le vrai. Celui qui attend le vrai Dieu, il me va où? Paradis. Là là-tu? C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Après tel l'oreille est oui. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Donc en dehors, c'est lui qu'on attend. Ce sont quoi? Est le feu. Est le feu. Donc il y a vrai et puis il y a. Feu. Donc si le musulman adore le vrai, la récompense de ceux qui adorent le vrai Dieu, c'est quoi? Paradis. Et celui qui adore dit qu'il y a Bab. Comment toi tu adores dit qu'il y a Adam? Et puis tu es content à ça. Dieu qui mange. Imaginez, mais c'est un homme, ça dépasse le râteau. Un Dieu qui attend. Mon grand-père s'est fait des temps au village. Allah va manger. Donc il fait la personne aussi. Un Dieu qui a langue. Mais Varane n'a rien fait. C'est pas Allah. Réponds le verset, frère. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Allah est lui le vrai. Alors que ce qu'ils évoquent en dehors de lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre vrai Dieu, oui. Alors que ce qu'ils évoquent en dehors de lui. Il y a une précision.
Quand nous on parle de Dieu, je fais allusion aux frères. Pour ne pas embrouiller l'esprit des gens ici. Quand moi je passe, quand on parle de Allah, le vrai Dieu là, quand on parle de Dieu par exemple, c'est pour la compréhension de tous. Mais nous on fait allusion pour ne pas embrouiller l'esprit des gens, on fait allusion à celui qui est vrai, qui est Allah. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est Allah celui qui est vrai. C'est dit qu'Allah est lui le vrai. Donc celui qui adore le vrai Dieu là, il n'a pas vraiment avec Dieu. Oui? Alors que ce qu'ils évoquent en dehors de lui, ils sont quoi? Est le feu. Et si tu n'adores pas Allah là, est-ce qu'on peut te condamner? Bien sûr, hein. Parce que Allah dit la fatalinance, la plupart des gens ne savent pas. Donc toi tu ne sais pas que c'est Allah qui est votre Dieu, soit ton Dieu. Nous quand devons nous venir, on vient vers vous pour vous dire c'est Allah qui mérite l'adoration. Réponds le verset frère. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Donc ceux qui traitent Allah de faux Dieu, le Coran dit non, c'est Allah qui est. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Alors que ce qu'ils évoquent en dehors de lui, vas-y, est le feu. Donc il y a un faux biais et un vrai biais, il y a un vrai Dieu et puis il y a un faux Dieu. Mais c'est nous d'abord le véritable. Donc celui qui n'a pas encore accepté, Allah on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas le condamner. Parce qu'il ne sait absolument rien. Donc nous on vous invite à la foi authentique, prêcher l'ensemble de tous les prophètes. Et c'est Muhammad qui voit la prophétie de Dieu. Donc quand on dit ça, moi je suis content. Aujourd'hui, bon, mes frères m'ont dit, normalement on va débattre avec eux aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a un qui t'a appuyé. Attendez, enfin, vas-y, baptisez, moi les morts jamais. C'est donc là-bas, il n'y a pas l'eau. Bon, l'eau de France est finie, quoi. Oui, ils n'ont pas de représentants là-bas. Hein. Toujours se déplacent, ils m'envoient jamais tous ces fidèles-là. Depuis une semaine, dimanche passé, ça a 10 minutes du débat. Ils ont fait pour dire non. Non, on n'a pas le temps. Ils ont fui. On a des, on a baptême. Ils ont fui, on a appelé les gens par leur nom maintenant. Ouais. Ils ont fui le débat. Eux, c'est les fuyards. Les thèmes, c'était quoi, même? Ils n'ont qu'à nous écouter. Les thèmes, c'était quoi? Moi, je ne sais même pas ce qu'il y a. Jésus est-il quoi? Le fils d'Allah. C'est les fuyards, ils ont fui. Au lieu de l'adorer, Dieu, c'est ça, c'est thème, ça aussi. Thème, il ne sait pas quoi dire. On s'attend le fils de qui? Bref. Donc, chers parents, on vous invite à la foi. Donc tous ceux qui doutent d'Allah, c'est Allah qui est le vrai. Dans tout le j'ai donné surat 22, surat 8, verset 62. On va appuyer encore par le Coran chapitre 44, verset 7 à 8. Et on voit des gens qui osent dire qu'ils ont été anciens musulmans. Bon, si c'est ancien footballeur, ça marche. Ancien adorateur. Même un féticheur est mieux que toi. Surat 44, verset 7. Vas-y frère. Seigneur des cieux et de la terre. Stop. Allah le Seigneur des cieux et la terre. Peut-être il a grand appel Dieu des cieux et la terre. C'est qui? C'est Allah. Oui. Seigneur des cieux et de la terre. Et de ce qui est entre eux. Vas-y. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Vas-y frère. Point de divinité à part lui. Lorsque le verset Coran dit point, ça dit en droit d'Allah. C'est ça dit, il n'y a rien. C'est un nuage qui est là. Oui frère. Point de divinité à part lui. Il donne la vie. Stop. Il donne quoi? Il donne la vie. C'est parce qu'on a encore envie que nous sommes arrêtés ici ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc Allah donne la vie, ensuite. Et donne la mort. Donc tous les non-musulmans qui meurent, qui les frappe. Allah. Quand là, c'est-à-dire quand l'homme tue l'homme, on envoie pour l'arrêter. Mais quand là, tout le monde ne mange pas. Lui, il ne rend pas compte à quelqu'un. Mais toi, l'homme, il faut tuer. T'es dans paix. Mais Allah donne quoi? La vie est là. Mort. Et ensuite. Et il est votre Seigneur. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Stop. Donc Allah est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Tous mes parents parlaient Agni, Hébreu, Dida, Nyangwa, Consent, autres. Allah est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Ça se fait, ça concerne ceux qui sont dans la fête des communismes. Tu n'es pas d'ancêtre. Mais tes ancêtres, l'être Dieu, c'est qui? Bien sûr. Allah, hein. Tu. Point de divinité à part lui. En droit d'aller après d'autres dieux, oui. Il donne la vie et il donne la mort. Tous les non-musulmans sont en vie. C'est Allah qui a donné cette vie-là, oui. Et il est votre Seigneur. Et ensuite, toi, vas-y, frère. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Ceux qui disent ça dans la couture de notre ancêtre là. Allah dit, il est le Seigneur de votre ancêtres. Un peu plus bas, frère. Mais ces gens-là. Mais ces gens-là. Dans le doute. Et ça l'est un vrai Dieu. Comment t'as douté? Oh, c'est clair. Et on voit un groupe d'un qui motive les soins. Et Allah n'est pas le Dieu. Allah n'est pas notre Muhammad, c'est un faux. Prends ma Coran chapitre 13, verset 43. On va voir quelque chose. 13, verset 43. Coran chapitre 13, verset 43, frère. Surat 13, verset 43. Donc, c'est qui manque le Coran, vraiment? Quand l'homme dit Muhammad est faux là, avant ton grand-père, ils ont dit ça. Oui? Et ceux qui ne croient pas disent. On voit un groupe qui dit Muhammad est faux. Hein. Le Coran parle de ça. Ceux qui ne croient pas disent. Tu n'es pas un messager. Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas un messager. Tu n'es pas un prophète de Dieu, tu n'es pas un messager. Dis.
Allah dit à Muhammad, cool, dis à ces gens-là. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Entre moi et Dieu, c'est-à-dire Dieu suffit comme témoin. Même si je suis faux, mais celui qui m'envoie lui, c'est qui je suis. Oui. Et ceux qui ont la connaissance du livre. Parce que ceux qui lisent, lire et puis avoir la connaissance, c'est deux choses différentes. Et ceux qui ont la connaissance du livre. Ceux qui ont la connaissance du livre. Sont aussi témoins. Que je suis quoi? Le prophète. Donc ceux qui ont la connaissance des Écritures, ils sont aussi témoins que Muhammad a été véritable messager d'Allah. Donc ceux qui disent Muhammad est faux là. Avant toi, les gens, il y en a qui ont dit ça. Là, mais prends quoi? Coran chapitre 38, verset 4 à 5. On est Muhammad, c'est un grand menteur. Pourquoi? Parce que le message qu'il a reçu de la part de ça, dira les démons. Parce que c'est lui qui enseigne l'unité absolue de Dieu après le départ d'Isa alayhi salam. Et on voit des gens pour ne pas devenir musulmans. Allah n'est pas leur Dieu. Ton grand-père qui est mort, la tête l'a arrêté, mais qui l'a tué? Question, hein? On l'a tué. Sur 38, verset 4. Hein? Et il l'aime quoi? Quand il a commencé son message, les gens disent que il a commencé d'abord par sa famille. Et toi, là, au-delà de ses parents. Les gens vont dire quoi? Les Arabes vont dire quoi? Toi, tu es prophète depuis quand? Toi, ta vie grandit ici? Oui. Et ils l'aimaient quoi? S'étonnaient qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Ils sont étonnés, par exemple, ta vie grandit ici. Donc, toi, tu es prophète depuis, on ne sait pas là. Et les infidèles disent. Un infidèle, c'est lui qui ne croit pas. Vas-y. C'est un magicien. Et quoi? Et un grand menteur. Pas petit, hein? Un grand menteur. Il est trop gradé. Mais quand on dit Muhammad était un grand menteur, pourquoi en train de menteur? Un peu plus, ma frère. Redirait-il les divinités à un seul Dieu? Tout Dieu que nous a connu, c'est toi qui dis que non, toi, les soldats de l'un Dieu qu'on ne voit pas. Donc, si on était un monde, c'est par rapport à ce que tu as enseigné. Oui, frère, vas-y. Redirait-il les divinités à un seul Dieu? Il peut y avoir plusieurs divinités? Voilà une chose vraiment étonnante. Ça dit, depuis où Jésus est passé, quand Muhammad est. Avant, ça dit, entre Jésus et puis Muhammad. Le temps qui est écoulé entre les deux, avant la mémoire de Muhammad, les gens sont restés dans ce qu'on appelle plusieurs. Ça dit, ils croient qu'il y a un Dieu, mais pour dire les uniques là. Non, Satan est venu déranger la foi des humains. Bien sûr. On voit dans la sourate, je crois bien, sourate 4, le verset 175, il ne me trompe pas tout comme ça. Donc quand Muhammad est venu, 73 autant pour moi, sourate c'est 73. Donc quand il est venu faire le rappel authentique, ils sont étonnés. Ah! Donc on doit laisser tous ces dieux-là pour adorer un dieu qu'on ne voit pas. Pourquoi? Donc c'est pour ça qu'on dit, toi tu es un grand menteur. Attends, tous les prophètes, les messages fondamentaux, c'est de ramener que des humains vers qui? Vers les dieux. Il n'y a pas plus de dieux. Mais pour accepter que Dieu est uni, c'est ça le problème des Arabes. Donc, au contraire, Muhammad est un menteur. C'est un imposteur, c'est par rapport à ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et qui fait ça, c'est le diable. Prends ma Coran, chapitre 35, verset 4 à 5. Vas-y, frère. Allah n'est pas notre Dieu. Il n'y a pas de problème. Satan est mieux dit que toi. Toujours. Quand tu dis Allah n'est pas. Et puis si tu dis Allah n'est pas ton Dieu, tu ne sais pas, Allah sait. Mais celui qui rejette même la vérité, Satan est plus béni que toi. Parce que Satan, mais c'est qui l'a créé. Claire. Là, tu dis 35, verset 5 à 8. Sur le 35, verset 4. Et si tu es très menteur. Stop. On a lu sur la 38 avant le verset 4 à 5. On dit tu es un grand menteur. Maintenant prends sur la 38 verset 4 à 5 là-dessus. Et si tu es très menteur. Si on dit toi tu es un menteur avant toi. Certes, on a traité de messager de menteur avant toi. Stop. Donc tous les prophètes, les peuples respectent ceux qui ne croient pas le message de Dieu à travers les prophètes. Ils ont traité les prophètes de menteur. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Vas-y un peu frère. Vers Allah cependant, tout est ramené. Ce qui me plaît chez Allah là, ça dit quand souris prend bagage, il y a des endroits quoi faire. Si t'es pas derrière frigo, c'est où? C'est où? Dans le trou. C'est dans le trou, non? Donc Allah n'est pas pressé. Oh. Ça dit, t'es moi là, mais gentil, non? Toi, tu l'insultes, tu laisses dormir. On va voir si tu vas te réveiller. Il dira, ouais, c'est bandit, c'est lui qui m'insulte. Faut dormir. Parce qu'il y a un temps pour ça, Allah n'est pas pressé. Ouais. Il a dit dans la sourate 39-40, c'est lui qui reçoit l'âme des êtres humains. Bien sûr. Mais quand le temps n'est pas encore arrivé, tu fais ce que tu as à faire. Passer le Rahman ou Rahim. Là, là, tu frère. Et si tu es très menteur. Si des gens traitent Muhammad de menteur, un imposteur, c'est pas de ta faute, mes frères. Ça a été dit avant vous. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, les musulmans. Ouais. C'est pas compassion que nous, on fait ça. Bien sûr. Parce que nous, on était de l'autre côté là-bas. Allah nous a délivrés dans la main de Shaitan. Parce que moi, on ne peut pas adorer un Dieu qui a trois têtes collées. Là, là, tu frère. Et si tu es très menteur. Un Dieu qui a trois têtes, on va comme des pieds en bas. On devrait régner. Là, là, tu vas-y. Et si tu es très menteur. Si tu es très menteur. Certes, on a traité de menteur des messagers avant toi. Mais en fait, dans le verset, mais dans le Nouveau Testament, les gens disent, je tiens des mots. Parce qu'il enseigne les pharisiens, mais pas accepter. Jusqu'on peut mettre la main sous pour le tuer. C'est pas parce que les vilains, mais les jolis, mais ce qui sort, ça sort de sa bouche, les gens ne peuvent pas supporter ça. Toi, tu es un enfant divin, en tête, tu es un menuisier qui dit que Dieu est grand. Toi, ministre, tu vas dire ça. Faut aller tailler les bois là-bas.
Un peu plus, ma frère. Certes. On a traité de menteur d'un messager avant toi. Donc, toute personne qui traite Mohamed de menteur là, nous les musulmans, nos soucis manger, ça dit, ça nous donne pitié. Mais tu ne sais rien avant que ça ait été dit. Et le Coran révèle le message authentique. Les chrétiens qui traitent les prophètes des menteurs là, ils n'ont jamais été les croyants, mais parmi eux, la majorité ne savent pas. Donc, il y a un groupe qui invite des gens à les suivre pendant l'enfer. Ils ont été marchés sur le terrain. C'est eux, on voit matin, mais donne ta vie à Grégoire. Donne ta vie. Il veut faire coup de terre. Offre ton Dieu à des lames du fils du Père, mais appartiens-moi l'éternel. Vas-y, frère. Vers Allah, cependant, tout est ramené. Tout. Pas moitié. Quand on dit tout là, fétiche ou musulman ou. Nous tous, on va ramener. On va te ramener vers qui? Vers Allah. Avant de ramener, on était où? Nous tous, on appartient à Allah. Vous ne voulez ou pas, oh, d'après mes parents, notre Ibenassa, Kata, ce qui me plaît, là, c'est la mort. Pharaon a tout fait, c'est-à-dire, Ruka, ça spirituel, là. Dieu, comme toi, il était grand, là. Et voilà, c'est l'eau. N'est pas dit, c'est nager, il faut nager. Tu as piscine chez toi, non? Il faut bien nager aujourd'hui. Qu'on nous fait, quand c'est fini. Ah, Allah, je crois en toi, Allah, tu es un menteur. Je crois en moi, où? C'est quand Jésus, tu veux dire la vérité, c'est Diata. Pour lui, tu sais qu'il traite les prophètes de menteur, là. En réalité, nous n'avons jamais été des croyants. Et ce courant qui est mieux pour expliquer pourquoi ces jeunes attrapent pour faire des menteurs. Parce que chez lui, son problème, c'est quoi? C'est vous trouver des jeunes associés à Allah. Et quand c'est comme ça aussi, il n'y a pas bon lien entre nous et avec Allah. Oui. C'est pourtant que c'est en parle de l'association de Shirk. Le Coran parle de ça beaucoup. Quand tu fais, c'est comme grain d'arachide. Tu peux avoir 20 grains dans ta bouche. Mais s'il y a un grain qui n'est pas bon, ça contamine automatiquement les 19 grains. Vrai ou faux? Oui. Allah-tu, frère? Et si tu te traites de menteur. Si toi et Mohamed te traites de menteur. C'est qu'on a traité de menteur d'un messager avant toi. Vers Allah cependant. Oui. Tout est ramené. Vas-y frère. Oh homme. Ya Ayouana sa. Oh. Ça dit ça en parlant de oh sram. Aïe peut dire oh sram. A moti en de ça. Y'a même pris de bon quoi. Mousse oem. On te pas moti. A moussou kon de ou moutio. Eh oh non. Eh bah on confie de l'île d'oula. Donc mon nom c'est Mahadou maintenant. Mais t'as appelé Brahma. Brahma. Et aussi j'aime tout le nom. Ibrahim est un Brahman. Isaac même, il ne sait pas comment dire, Isaac. Ah non, c'est Chara. Chara, toi. Chara, c'est Chara. Eh, il est capable. C'est pas facile. Madou, baissé. Madou, et puis baissé. Baissé, c'est pas ma chaîne. On fait quoi avec? Allez-y, frère. Oui, homme. Et vous, les humains. La promesse d'Allah est vérité. Dans tous mes parents, non musulmans, c'est l'un de vos frères qui a arrêté ici. Et parmi nous, il y a pas un doula. Moi, c'est Kofi, ici, Wani. On dit, mes parents, quand il y a décès chez moi, c'est la fête. L'homme qui est mort, dans son corps, ça m'a que lui, il est pas. N'oubliez pas de mettre vos noms pour les questionner, Inch'Allah. Finirez, on danse. Quand on dit à nouvelle, coup de coup. Vraiment, mais quand tu es musulman, c'est une grâce immense. Mais chez moi, parents, c'est comme ça. Si tu es un peu dangereux, on appelle à ton air. Ça commence jeudi, soit vendredi, il y a Bach, il y a Sono, tout ça. On danse. Tu vois les villageois, ça va au messe. Trois mois sans tête remplie de sécoutourés. C'est là pour se coiffer. Tu vois les soeurs aussi, ils vont venir au village. Tu vois les rouges à lèvres qui sont restés dans moi. Ça veut dire qu'on a employé avec quatre mois là. Dans finir, on fait tout. Chez nous, c'est comme ça. Hein. Ils vont faire une forme de pain, tant. Chez nous, il n'y a pas ça. Trois jours, si ça, un coq comme nous, comme ça, mais ça, c'est deux jours et demi. Tu es mort le lendemain, on dit qu'ils vont enterrer Kofi. Mais je me parle là. Non. Des pensées inutiles. Puis tu as peur, il est où? Question. À la mort, un an, deux ans, trois ans. Non, lui, on a bien fait, c'est bien beau, mais il est où? C'est fini. Donc, c'est l'islamique qui est mieux placé pour donner tous les enseignements sur quatre, soit sur dessert. Vas-y un peu, frère. Oui, homme. Bon, vous, les humains. La promesse d'Allah est vérité. Tout ce que Mohammed a reçu de la part d'Allah est vrai. Faites attention à votre vie spirituelle. Ne laisse pas quoi? Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, c'est Satan. Qui? Satan. Ne vous trompe pas à propos d'Allah. On voit sur les réseaux sociaux, non? Les musulmans, ils ont atteint Allah. C'est le diable. Subhanallah. Allah. Mais quand Satan m'a entendu, ça dit, yeah, je suis Satan, mais toi, tu es trop gradé. Qui est ton chef? Qui t'a gradé comme ça? Comment on va traiter Allah de diable? Il y a des gens qui enseignent ça. Comment toi, homme de 9 mois, tu vas traiter le créateur de tout le jeu comme ça? Donc ça manque de ça. Tous les plans, ça t'a dominé, même ton sang, c'est Satan qui mange dedans. Oui. Allah.
Vas-y un peu, frère. Oui, homme. Ouvre les humains. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Vite, frère. Et que le grand trompeur, Satan. Stop. Le grand trompeur qui? Satan. Le grand trompeur qui? Satan. Est-ce qu'ils ont dit le grand trompeur Allah? Satan. Mais on va voir Satan faire quoi? Prends mon courage, chapitre 22, verset 14. Donc 14, verset 28 à 22. Autant pour moi, soit 14, le verset 21 à 22. Toute personne qui traite Allah de Satan. Moi, ça dit, moi, confie, quand j'entends ça, j'ai pitié pour ce dernier-là. Il ne sait rien. Ça dit, il est mort trois fois. Ils t'ont tué. Et puis toi aussi, tu t'es tué. Après la résurrection aussi, c'est la mort éternelle. Comment tu oses dire Allah est le diable. Et puis les gens sont là. Mais si ce n'est pas Allah qui est le vrai Dieu, j'ai dit ici, quand j'ai dit l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tout. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai fait allusion au vrai Dieu. Bien sûr. Donc si Allah n'est pas Dieu, qui est Dieu? Bien sûr. Hein? Coran chapitre 14, verset 21 à 22. Quand tout sera accompli, oui. Et quand tout sera accompli. Quand tout sera fini là. Le diable dira. Le frère dit ici. Il y a. Affaire des ballons, c'est pas du jeune. Eh hey Dieu, tu vois les prières. Eh hey Dieu, eh hey Dieu. Tout le monde est en train de prier. Allah a eu pitié, la science. Ça, c'est ainsi pour nous. Hein. Il y a quand on est ensemble comme ça, Dieu agit. C'est pas ça. N'est-ce pas? Allah a montré un grand signe encore du voir ici. Tout le monde a vu. Le voir, Dieu dit ah, on est Dieu, mais on est là ici. Hein. 4-0. 1-0. Tu deviens champion. C'est Allah qui fait ça. Bref, dans ceux qui pensent qu'Allah n'est pas l'un Dieu que les musulmans n'ont pour nous à part. Donc, si on comprend bien la création entre les musulmans et les non-musulmans, c'est pas la même chose. Hein. Donc, les musulmans, ils ont leur soleil à part, ils ont leur lune aussi à part. Donc, nous, les musulmans, on a notre Satan à part, et puis les autres, ils ont leur Satan à part. En tout cas, leur Satan n'a que. Parce qu'on voit dans les films, ils ont dessiné un Satan qui a que. Un tel Satan, c'est un dragon. Satan qui a que, tu l'as vu où? Même ça, à cause on mentit. Satan qui a que. On est hérisson. Là-dessus. Et quand tout sera accompli, le diable dira. Satan dira. Certes. Oui. Allah vous a fait une promesse de vérité. Non, je vous ai fait quoi? Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que qui? Tandis que moi. Moi qui? Moi Satan. Tandis que moi. Moi Satan. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Donc ici on voit, il y a Satan et puis il y a Allah. Jusqu'à Satan même va, ils vont dire, ah donc dans le Coran Satan parle. Mais quand on dit dans Matthieu 4, verset 1 à 5 là, on dit Jésus a jeûné par exemple, il est avec Satan. Satan aussi parle là-bas. Bien sûr. Même Job insiste. Dieu demande à Satan de quitter vous, c'est un bon petit même. Bref. Donc on va voir encore. Est-ce que Allah, ceux qui pensent qu'Allah n'est pas le Dieu, Allah et Satan selon vous? Écoutez le Coran, prends ma sourate 48. Satan dit, j'ai créé Allah. Il n'y a aucun passant, aucun tel sur la tête des hommes. Où Satan dit, je crée un prophète. Mais Satan dit, je crée qui Allah. Mais qui est-il Allah? Question, hein. Ne jouez pas votre vie. Non, c'est où on est quitté. Celui qui veut devenir musulman là. Il n'est pas devenu musulman. Oui. Celui qui ne veut pas devenir musulman aussi, arrange mon compte. Il reste pour manger les akasa, abolo, mais ne mourrez pas. Si tu perds, ça cache comme un pointeur. Bien sûr. Vas-y, sois 38 et 48. Et quand le diable leur embellit leur action et dit, Satan dira, nous parmi les humains ne peuvent vous dominer aujourd'hui. Oui frère. Et je suis votre soutien. Je suis votre soutien aujourd'hui. Mais, M-A-I-S, oui. Lorsque les deux groupes furent en vue, vas-y frère. L'un de l'autre. Il tourna les deux talons et dit, oui. Je vous désavoue. Et vous laissez aujourd'hui, on voit des gens qui se réveillent, Dieu m'a parlé. Les prophètes, ça pousse un grand champion. Quand on mentit, jusqu'à demander pardon avant-hier. Un prophète qui ment. Au moins qu'il prête qui t'a passé qui. Question. Non. Il demande pardon aux Ivoiriens. C'est une prophétie. Tu es un menteur. Quand tu as donné un verset hier, il y a un encore qui a pris par rapport à Jérémie 23 là. Dieu dit n'a même pas envoyé ces choses là. Il y a un verset pour les détecter. Vas-y un peu frère. Et dit, je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Ceux qui m'ont aidé à insulter alors là, je vous laisse à combattre, fils. Allez, on dit c'est fini, hein. C'est fini. Vas-y frère. Je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, Satan, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crée Allah. Je crée qui? Je crée Allah. Je crée Allah. Salomon. Allah. Jean-Baptiste. Allah. David. Allah. Mohamed. Allah. Jésus-Christ. Allah. Mais je crée Allah. Pourquoi?
Et Allah est dû en punition. Il est mou en quoi? Il est dû en punition. Il est mou? Il est dû en punition. Il est mou? Il est dû en punition. C'est pas des glacés, hein? Il est dû en punition. Mais Allah est dû à punition. C'est lui qui frappe, c'est-à-dire il frappe, il ne rend pas compte à quelqu'un. Parce que c'est lui qui est le créateur. Allah encore a dit que c'est lui qui a tout créé et ses créatures ont confirmé. Prends ma Coran chapitre 15, 32. Surah 15, 32, puis surah 7, verset 11 à 12. Surah 15, 32. Il n'y a pas Dieu en dehors de celui qu'on adore. Celui qui veut devenir musulman, n'est qu'à devenir musulman. Coran chapitre 15, 32, puis surah 7, verset 7 à 8 à jusqu'à 12 par là, si je ne me trompe pas. Surah 15, 32. Oui, vas-y. Alors Allah dit. Allah dit. Oh Iblis. Ça veut dire Satan. Pourquoi n'as-tu pas dit au nom des proches? Prosterné. Parce que Iblis en réalité c'est un djinn en tout dans la surah du Joshua la 40 verset 51 à 52. Vas-y un peu frère. Oh Iblis. Pourquoi n'es-tu pas au nom de prosterné? Lorsque Allah a créé notre père Adam alayhi salam, il a demandé aux Azazel de venir te présenter devant lui. Non pas dans le sens de l'adorer, mais dans le sens de l'honorer l'être humain que nous sommes. Parce que tous les humains ont vient de qui? D'Adam. Donc les anges sont venus se présenter devant Adam. Satan dit je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il sait comment Allah l'a créé. Il a vu comment Dieu a créé Adam. Donc elle a vu la création d'Adam par rapport à sa création, il dit qu'il ne peut pas. Vas-y. Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme. Que tu as fait quoi? Que tu as créé d'argile crissante. Stop. Donc on peut regarder un débat entre Satan et puis eux. Satan dit Allah qui a créé Adam. Vous dites c'est faux. Mais entre puis Satan qui dit vrai. Question. Hein? Et Satan, mais c'est qui est Dieu? Ouais. Allah, Satan dit Adam est Dieu. Tu as créé Adam après quoi? Là, je vais ça là-bas. Vas-y frère, la lecture. Tu as créé d'argile qui sent était d'une boue malléable. Non, là, même dit, il peut pas, comme la foutaise. Donc, c'est clair, pas de problème. Maintenant, faut prendre surah 7, le verset 11 à 12. Là-bas, il dit, tu l'as créé. Et toi? Surah 7, 11. Et puis, il y a un autre verset coranique qui m'échappe. Alors, pour la question aux humains, on a été créé ou bien nous, on est créateur? Le verset m'échappe un peu. Tu as le verset en tête? Est-ce que. C'est nous sommes des créateurs où on a été créé. Si on ne trouve pas, c'est pas grave. Prends ma surah 16, verset 11 à 12. Nous vous avons créé. Puis nous vous avons donné une forme. On nous embrouille des fois. Allah conforme la formation et la création. Laissez Genèse 1, verset 26, puis Genèse 7, verset ta vue. Laissez ça. On est au courant d'appel là. Cherchons d'abord que devons nous faire pour avoir la vie éternelle. Les débats et l'utile, ça va l'homme où? Vas-y un peu frère. Nous vous avons créé. Puis nous vous avons donné une forme. Vas-y frère. Ensuite nous avons dit aux anges. Oui. Prosternez-vous devant Adam. Ça dit, quand on prend surah 15, la surah 7, verset 11 à 12, on complète avec la surah 15, verset 32. Ça parle de la création d'Adam, et puis les djinns, commandant le shaitan, et puis les anges. Donc quand tu prends les deux versets, tu comprends automatiquement l'histoire. Surah 16, surah 15, 32, surah 7, verset 11 à 12. Vas-y. Nous vous avons créé. Vas-y frère. Puis nous vous avons donné une forme. Ensuite nous avons dit aux anges. Oui. Prosternez-vous devant Adam. Les anges ne sont pas un polio. Oh Dieu, on voit un qui dit les musulmans montrent les fesses à Dieu. Pour toi, tu montres à qui? Question. Hein? On peut cacher quoi à Dieu même? C'est quoi l'on peut cacher à Dieu? Non, les musulmans les montrent les fesses à Dieu. Pour toi qui es derrière toi, tu montres à qui? Question. Ça vient, ça va pour un jour. Vas-y un peu frère. Prosternez-vous devant Adam. Prosternez-vous devant Adam, oui. Il se prosternait à l'exception d'Iblis. Qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Vas-y frère. Allah dit. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Ça c'est l'histoire que Allah a relaté à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Vas-y frère. Quand je te l'ai commandé. Moi je t'ai dit, tu fais juste avec moi. Satan vraiment. Ceux qui insultent Allah ont raison. Ça c'est les vieux pécheurs, c'est les maîtres. Mais on dépassé encore les maîtres. Oui. Il répondit. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Satan, lui, il est mieux qu'Adam. Vas-y, frère. Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Tu m'as créé de feu. Donc, Satan reconnaît son créateur. Tu m'as créé de feu. Donc, celui qui dit Allah n'est pas. Allah l'a pas créé là. En tout cas, puis Satan. Qui est véritable Satan? Question, hein. Satan, quand on le prie. Écrasé. L'on écrasé, vu qu'elle est toujours là. Satan, c'est quoi, vieux père? Dieu vous a déclaré Satan où? Où Dieu vous a dit de faire ça? Question. N'ajoute rien, ne retranche rien. Tu l'écrases pourquoi? C'est ton camarade. Satan, c'est pas votre camarade. On a écrasé Satan. Maintenant, on le découpe à une machette.
Moi, un peu frère. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu. Satan dit, tu m'as créé du feu. Tandis que qui? Alors que tu l'as créé d'argile. Donc ici, on sait qui est Satan et qui est Allah. Donc un musulman ne peut pas se tromper pour dire qu'il adore le diable. Non. On adore le véritable. On adore le véritable. Et celui qui adore le créateur de toutes choses, c'est à nous les musulmans. Prends encore courage, chapitre 20. Le frère est en train de passer pour les questionnaires. Celui qui a une question, il met son Inch'Allah. Voilà. Prends ma sourate 23 à 14. Certes, on va d'un qui t'appelait pour entrer, moi et pas devenir musulman, c'est pas un problème. Et c'est pour là la main qu'on fasse l'homme. À la bateau aussi, tu pas les sentir un peu autour des moutons là. Non, il va devenir musulman, c'est pas un problème, c'est qui me plaît là. Quand souris prend bagage, on sait où il va. Allah n'est pas pressé. Insultez Allah, insultez Muhammad. Si vous insultez Muhammad, il n'y a pas de problème, mais restez ici. Sinon, Allah est tellement miséricordieux, mais les dieux en punition. Ne jouez pas à votre vie, chers parents. Coran 20, verset 13 à 14, ou 14 à 15. 23. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi. Écoute ce qui va être révélé. Celui qui choisit la prophète, c'est Dieu. Mais ce Dieu, c'est qui? C'est Allah. Vas-y. Certes. C'est moi, Allah. C'est moi qui? C'est moi, Allah. C'est moi, Salomon. C'est moi, Allah. C'est moi, Jean-Baptiste. C'est moi, Allah. C'est moi, Muhammad. C'est moi, Allah. C'est moi, Jésus-Christ. C'est moi, Allah. Mais c'est moi, Allah. Il est qui pour dire ça? Vas-y. Moins de divinité que moi. Il tape sa parole, dit en dehors de moi, c'est. Il n'y a rien. Si à Dieu en dehors d'Allah là, c'est un consommateur d'haricots. C'est pas notre Dieu. À part les faux dieux. Un Dieu qui a moulé, il peut jouer ribi. C'est pas notre Dieu. Là là tu frère. Certes. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Il dit c'est moi. Ah. Ah ça me fait pas. Kofi vient. C'est qui? Il dit c'est moi Kofi. Ah c'est toi. Bon viens. Ça manque vraiment. C'est qui il suit? Okay. Mais Allah dit c'est moi. Allah. Il est qui pour dire ça ensuite? Pas de divinité que moi. En dehors de moi, il n'y a rien, c'est moi, je suis votre Dieu. Vas-y. Adorez-moi donc. Donc, va adorer Allah. Toute personne qui adore Muhammad, tu mets, tu vas à l'enfer. Claire. Parce que Muhammad n'est pas notre Dieu. Bien sûr. Mais c'est le serviteur d'Allah. Allah l'a élu. Il a envoyé pour l'humanité tout entière. Un musulman qui se trompe, qui adore Muhammad, tu as fait force route. Bien sûr. Donc, vous, demain, ceux qui sont dans ce domaine, hein, répondez-vous. Parce que c'est Allah qui mérite la. Adoration. Un peuple pas frère. Adorez-moi donc. Adorez-moi. Adorez-moi donc. Celui qui adore Moïse aussi est grillé. Tu adores Jésus, tu es grillé. Tu adores Muhammad, tu es grillé. Muhammad, Jésus, j'ai pas dit que la personne soit eux. Il n'y a aucun qui a demandé. Aucun qui a osé dire à son peuple. C'est-à-dire, à son peuple respectif, Jésus, pas tout Dieu, adorez-moi. Aucun. Jamais. Ça ne décide ni dans le Coran, ni dans la 10. Moi, quoi dans la Torah, quoi dans l'évangile. Mais c'est Allah qui dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Et on va voir Dieu des prophètes, c'est qui? Un peuple pas frère. Adorez-moi donc. Adorez-moi. Adorez-moi donc. Adorez-moi. Adorez-moi donc. Mais en tant que qui? Et accomplissez la salade. Vous faites quoi de moi? Vous te souvenez de moi. Et donc quand on adore, on se souvient de lui. Et pourquoi on fait le contraire? Sourate 2, verset 21. Sourate 2, verset 21, rapidement, frère. Sourate 2, verset 21. Vas-y. Oh homme. Oh frère, à moitié. Oh homme. Les paroles de oh frère. Aïe dit, oh, sramo, sramo, sramo. Oh, est-ce que le c'est à elle, à vous jouer. À quoi des bandits? Oh, ça dit, là, ils sont dans le campement, ils t'ont bandit à compagnie des piments. Oh, il fait, oh, c'est tout. Parmi eux, c'est toi qui as créé ça. Et ça, là, est pressé. Allez, dis, mon frère. Oh, homme. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur qui est qui? Qui vous a créé. Qui vous a? Qui vous a créé. Qui vous a? Qui vous a créé. Donc c'est Allah qui nous a créé. Un peuple pas frère. Vous et ceux qui vous ont précédé. Vous, vos grands-parents, jusqu'à Adam, c'est Allah qui nous a tous créé. Un peuple pas frère. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Retraitement verset 28. Et puis rien qui entend, ça dit moi, devenir musulman jamais. Comment? Comment pouvez-vous renier Allah? Comment donne droit à Allah? Comment pouvez-vous renier Allah? Comment renier Allah? Comment pouvez-vous renier Allah? On voit qui c'est là. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu dit. Il dit quoi? Toujours Dieu m'a parlé. C'est Satan qui joue à vous. Et puis c'est même pas Satan, mais c'est le petit génie là. Ça, Dieu va vous parler. Dieu me dit de dire. Bien aimé ce matin, il ment. Nous on peut faire ça aussi. Mais quand est. C'est pas vrai, chers parents. Toujours Dieu me dit de vous dire. À part toi, Dieu ne parle pas. Donc, on n'a pas oreille. Mais pour nous, il y a caillou dedans. C'est toi, Dieu s'est réveillé à toi. Donc, on n'est pas homme, quoi. Ce matin, j'ai pris avec la prison. C'est faux. Dieu t'a dit quoi? Donc, on peut poser ça. Dieu dit. Il dit quoi?
l'argent. C'est tout. Marie Colosson qui entend. Toujours Dieu m'a dit de vous dire. Toi la soeur papa au Clémentine. Et vous êtes. Ma soeur Yako. C'est un moment organisé. On a pris l'affaire là. Ce matin, je présente la puissance de Dieu. Il ment. On peut faire ça aussi, mais c'est pas la vérité. L'islam n'enseigne pas ça. Donc on est là pour vous dire, revenez à la maison. Revenez à la maison, parents. C'est Allah qui est notre Dieu. Bien sûr. C'est là qui mérite l'adoration. Bien sûr. Toute personne qui donne droit à Allah. Et la famille. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes parents à quand? Mes parents Baoulé. Mes parents Annie. Mes parents Ébrié. Mes parents Dita. Mes parents Nyambois. Mes parents Abel. On ne sort pas à cause de Mahadou, Mango Korotou. C'est à cause de vous. Parce qu'il y a un grand danger qui est là. Une personne qui met sans dit là, il est là. C'est pas facile pour toi. À moins que tu n'as jamais entendu, soit écouter le message de l'islam. Bien sûr. Donc nous, on sort pour faire passer le message authentique qui est camouflé par certaines personnes. Mais Alhamdoulilah, il y a un temps pour toutes choses. Mais... comme on voit dans Ecclésia 3, 1 à 3, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps de la réconciliation et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr. Dans la famille, des grâces, revenez à la maison. L'islam, c'est pour vous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète Dieu envoyé après Jésus-Christ qui nous a montré la voie à suivre. Pour ne pas que demain on va accuser Dieu. Revenez à la maison, chers parents. Revenez à la maison, la vie d'ici n'est rien. Ouais. On est là pour un temps. On est là pour un temps bien précis par Dieu. Quel que soit ce que Allah va t'accorder, mais c'est pour un temps. Bien sûr. L'homme qui est fort, mais l'arrivée de moi sera plus fort. Okay. Le plus faible possible, c'est pareil. Donc, lorsqu'on a encore en vie, on doit en profiter. Donc, toute personne qui ne sait pas, Allah l'a créé là. C'est Allah qui est notre Dieu. Bien sûr. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et en droit d'aller à point notre Dieu. Amen. T'es venu, mon verset, frère. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie. Allah a donné quoi? Alors qu'il vous a donné la vie. C'est pas une vie que tu dis, Allah t'a pas créé. Okay. Mais Allah n'est pas présent. Même les prophètes, les dieux, c'est Allah. Prends ma sourate Al-Mbiya, sourate 21, verset 91. Qui a donné la prophète? Sourate 21, verset 91. Sourate 21, 91. Vas-y, frère. Et c'est la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté. Oui, frère. Faut voir si c'est pas 91, 92, où elle a dit. Où ça se met? Tu peux m'aider, beaucoup, tu peux m'aider ce verset-là. Voilà, dit. C'est pas 92. 92, merci. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et mais ça vous a répondu à ce gars-là. Je sais pas, c'est prophète, il dit les prophètes là. Oui. Et vous, on calme moi dans le coin. Voilà, dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Il y a vu que quand tu l'as répondu, il y a vu quelque part. Toi, tu vas sur tes films. Histoire 20, verset 14. Toi aussi. C'est écrit, mais je ne crois pas. Là, on est d'accord. Toi, posez la question à un musulman sur ce verset-là. Même si ça a 1h30, appelle-moi. Soit appelle parmi nous trois. Écrase, soit écrit, ça se tourne par tout le monde. 1h35, ah, Kofi, pardon, donne-moi le verset. Voilà, dit notre Dieu. Prends 4, sur 24. Ça, c'est pas. Dis simplement, ah, les frères musulmans, c'est écrit, mais nous, on ne croit pas ça. Non, on est d'accord. Vas-y. Certes. S'il y a des questions aussi, positionnez rapidement. Vas-y. Cette communauté qui est la vôtre. Oui. Est une communauté unique. Vas-y. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Bien sûr. Et je suis votre Seigneur. Allah dit, je suis votre Seigneur. Vas-y, frère. Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Donc ici, Allah a dit, on doit l'adorer, non? Il n'y a pas de verset dans le Nouveau Testament rapidement, mais ne prends pas les questions. Toi, mais prends d'abord dans Luc chapitre 11, verset 1 à 3. Luc 11, rapidement. Je cherche le verset où Allah dit, lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, lorsque je vais envoyer un prophète. Soutenez-le. C'est ça, sur la 3, verset 14. Lecture, mon frère. Non, pas sur toi. Prends sur toi d'abord. Ok. Comment tu vas laisser? Moi, je dis toujours aux gens, à faire de l'islam, c'est tellement simple. Dis simplement les musulmans, non, c'est écrit, mais nous, on ne croit pas. Il n'y a plus de débat où. Venez faire les débats inutiles. Allah n'est pas le créateur. Bon, s'il n'est pas créateur, il est quoi? Il n'est pas créateur, bon, il n'y a pas de problème. Le créateur, c'est qui? Question, hein? Faut pas te faire de barrière. Lui, il a été crédit, je ne peux rien faire. Rien, là, il y a tout dans rien. Fouille. Vas-y. Il dit 4. Sur 391.
81 autant pour moi. Ça dit 8 et puis 1 quoi. Sur 381. Vas-y. Et lorsqu'il prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai. Là, ici, on voit le mot prophète, mais le fait, ça ressort. Les prophètes, oui. Chaque fois que je vous accorderai un livre. Oui. Et de la sagesse. Oui, frère. Et qu'ensuite un messager vous viendra. Confirmez ce qui est avec vous. Confirmez ce qui est avec vous, oui. Vous devez croire en lui. Et vous devez lui porter secours. Bien sûr. Il le dit. Consentez-vous et acceptez-vous. Oui. Mon pote à cette condition. Nous consentons. Oui. Dit-il. Oui. Soyez en tant que témoin. Dit Allah. Oui. Et me voici. Oui. Avec vous. Oui. Parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos. Oui. Alors ce sont eux qui seront les pervers. Merci. Donc ici c'est clair. On arrive dans la sourate 21, verset 92. Et la sourate 3, verset 91. Mais c'est ça, non? Dans ce deux versets, c'est-à-dire on voit le mot prophète. Donc là-bas, Allah a dit, c'est lui qui a pris l'engagement des prophètes. Mais qui envoie les prophètes? Maintenant, les prophètes, ils peuvent enseigner quoi sur la terre? Adorer Dieu, non? Mais est-ce qu'ils ont respecté ça? On va prendre d'abord Coran chapitre 1. Coran chapitre 6, le verset 162. Surah 6, verset 162. Surah 662. Vas-y, dis. En vérité. Dieu dit à Muhammad Nekat, déclaré, dis, cool, oui, en vérité. Ma salat. Ça veut dire quoi? Ça dit ma prière. En vérité. Oui. Ma salat. Ma prière. Mes actes de dévotion. Donc, attends d'abord. Est-ce que les prophètes prient? Bien sûr. Dieu dit, il a pris l'engagement des prophètes. Mais le message que Dieu a confié pour c'est quoi? L'adoration, non. Mais est-ce qu'ils ont respecté ça? Oui. Donc, les prophètes aussi priaient? Bien sûr. Donc si les prophètes prient et les disciples, si lui est envoyé pour enseigner la prière aux hommes, on doit adorer Dieu là-haut. Donc logiquement, le prophète c'est le modèle à suivre. Okay. Et ensuite les disciples aussi, ils ont accepté la foi des prophètes. Bien sûr. Donc Mohamed a dit quoi? Sur le nom de Dieu, sur 662, oui. Dis. En vérité. En vérité. Ma salat. Ma prière. Mes actes de dévotion. Et ensuite, hein, ma vie et ma mort. Ma vie et ma mort. Appartient à qui? Appartient à Allah. Stop. Il y a bien un au Burkina, il dit. Quand il y a une hadith d'Abu Hafs soit musulmane, quand il voit le mot Sahih, tout est authentique, il n'y a pas de problème. Que Muhammad a dit sa vie, c'est tout dans la main de Jésus, son âme. Et sur la 6, quand il prend la hadith, bref, mais lui aussi, les gens lui ont répondu, menteur comme ça, Muhammad a dit, lui, son âme, c'est tout dans la main de Jésus. Muhammad a dit ça. Rasoul, vous prenez la hadith, vous courez la hadith, et puis en même temps, la phrase qui suit, c'est pas comme ça. Pourquoi la hadith, regardez en haut et en bas, et c'est la même chose. La seconde venue de Jésus là, Mohamed a parlé de ça. Mais la phrase qu'il a utilisée puis en bas là, c'est pas la même chose. Et si on va être malhonnête comme vous par exemple, Mohamed, demande ça ici, Mohamed a dit, quand Jésus va revenir, va se marier, vous croyez ça? Jésus va se marier, va avoir aussi des enfants, ça c'est faux. Bon, il va dire nous on blasphème, toi tu n'es pas été enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu, on dit ton père va se marier encore, tu dis non. Toi tu es enfant de qui alors? Oh. Toi, tu es enfant de Dieu, non? On dit ton père va me se remarier encore, ça fait quoi? Il peut prendre deux, trois, où est le problème? C'est polygame. Tu es enfant de Dieu, non? Oui, on dit quand il va revenir, il va se remarier. Tu dis quoi? Dis non, blasphème. Donc, tu n'es pas enfant de Dieu. Arrêtez ça. Mohammed alayhi salam, ce qui dit là, c'est vrai, mais dis simplement, ça vous arrange pas, c'est tout. Donc, Rasoul alayhi salam, il prie. Il prie en tant que qui? En tant qu'un prophète. 33, verset 40. Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le tenet d'un prophète. Donc le prophète, c'est un homme que Dieu a choisi. Il prie. Ça fait 1. Luc 6, 12. Et puis Luc 11, 3 à 4. Et puis je m'arrête là. Luc 6, 12. Luc 6, 12. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Ils vont dire non. Ça, c'est faux. Pour prier, non. On va voir où même lui dit que je me vais prier. Matthieu 26, 37. Matthieu 26, 37, frère, rapidement. Où lui me dit, je m'en vais prier. Parce que la Bible, c'est lui qui a dit ça. Un homme de Dieu comme ça, c'est sur lui, Muhammad vient dire non. Il est propre, les gens n'ont pas tué. Vous dites, Muhammad, moi. Comme l'homme peut être méchant jusqu'à ce point, tu attends la mort de quelqu'un pour avoir la vie. Pourquoi tu ne crois pas la mort de ton papa?
Vas-y. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit quoi? Il leur dit alors. Ils allaient entre par la tête. Jésus leur dit alors. Mon âme est triste. Oui, oui. Jusqu'à la mort. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Puis, oui? Ayant fait quelques pas en avant. Stop. Vous faites quoi avec moi? Veillez. Veillez avec moi. Vous avez compris, non? Donc tous les prophètes là. Et jusqu'à vont demander de enseigner là. Prière. Luc 11, 3 à 4. L'homme qui prie va être moi, mon Dieu. Mais il ne peut pas donner mon grand papier, c'est fini. Luc 11, 3. Oui. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Luc chapitre 11, verset 4. Pardonne-nous nos péchés. Remonte au verset 1 d'abord, s'il te plaît. Verset 1. Jésus priait un jour. Voilà, oui. Jésus priait un jour. Ses disciples. En un certain lieu. Vas-y, frère. Lorsqu'il eut achevé. Il a fini de faire son ordre, oui. Un de ses disciples lui dit. Seigneur. Quand on dit Seigneur, fais attention. On voit des musulmans, on vous en prie le mot là. Seigneur, Krios. Ça veut dire maître. On dit patron. On appelle Dieu Seigneur, notre Dieu. Quand c'est Dieu, on ajoute le Seigneur, notre Dieu. Quand c'est le prophète, on dit Seigneur, c'est un maître, un rabbin, Adonai, et puis Adoni, tout ça. Mais quand on dit Seigneur, Abraham, sa femme l'appelait mon Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur, Genèse 18, verset 11 à 12. Et on voit encore dans Jean 2, verset 20. Disciple de Dieu est appelé Seigneur, grand S. Donc quand on dit Seigneur, ça veut dire maître. Mais Seigneur de Jésus, c'est lui qui est le créateur. Vas-y un peu, frère. Jésus priait un jour. Oui. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé. Quand la fille de prier, un de ses disciples lui dit. Il vient vers lui. Seigneur. Encore quoi? Enseigne-nous à prier. Ah vraiment. Tu pries, mais faut nous apprendre. Toi, ça va, on ne prie pas comme ça. Enseigne-nous à prier. Voilà qui prie à Jésus. Toi, tu pries à Jésus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ta prière, qui t'a enseigné ça? Les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous là. Prière. Donc, plus on doit t'enseigner. Donc, Mohamed, tout ce qu'il fait, il n'a pas inventé. S'il a reçu, il n'a pas de Dieu. C'est comme ça, on dit un prophète. Donc, Jésus a enseigné la prière. C'est les disciples qui ont demandé, il faut nous enseigner la prière. Comme qui a fait? Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et chaque prophète enseigne prier aussi à ses disciples. Donc, Jean est passé, Jésus aussi a pris le pouvoir. Et après aussi, Flambeau aussi a passé aussi à Mohamed. Jusqu'à la fin des temps. Mais les gens refusent de prier comme les prophètes de Dieu. Quand c'est procès, les musulmans montrent leur fesse à Dieu. Pour toi, tu montres à qui? Tu montres à fesse publique. Mon frère, voici cette question. Salam alaikum. Walaikum salam. Nous appelons le frère Tamele pour sa question. Où ça Tamele a demandé? La prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir qu'est-ce que on nous enseigne sur le jugement de Satan et puis quelle serait sa place dans l'enfer, sa position dans l'enfer. Et puis il y a des gens qui adorent Satan sciemment. Est-ce que il y a des gens qui font quoi? Adorer Satan sciemment. Tu connais hein? Une fois entendu parler quoi. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui se disent satanistes. Voilà. Donc, est-ce que c'est la même chose que ceux qui adorent Satan sans le savoir? Merci. Alhamdulillah, vous allez me rappeler le verset où Allah, où Shaitan a dit. Ce sera celle du quoi pour la plupart tu ne seras pas reconnaissant. Allah dit j'en brûlerai l'enfer. C'est surat 1538. Surat 1548. Ceux qui te suivent, non? C'est surat 15. Verset 38 là jusqu'à 40 là-bas. Ouais. Surat 1538. Il faut te calmer ou ça, on va aller doucement. Dans la surat là. Ça veut dire que tout ce que vous avez posé comme question, la réponse se trouve là-bas. C'est-à-dire le sort de Satan, le sort de ceux qui suivent Satan, le sort de ceux qui adorent Satan aussi, exprès, tu vois.
Et tous les sons se trouvent là, là seulement. Lecture. Surat 15, 38. Uh-huh. Jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah, il dit, oui. Oh mon Seigneur, oui. Parce que tu m'as induit en erreur. Comment tu sais? Souvent quand on donne un verset, il faut faire une prélecture toi-même d'abord. Tu vois? Et puis après maintenant tu lis. Quand tu fais une prélecture, tu vas savoir que quand tu commences au milieu comme ça, ça sera compliqué aux gens de comprendre. Tu vois, sans que même le lecteur, le prédicateur te dise, tu commences déjà en haut ou descends. Vas-y frère. Alors qu'Allah dit, oui. Oh Iblis, voilà. Pourquoi n'es-tu pas au nom des prosternés? Voilà, tu vois maintenant qu'on est dans le sujet. Allah dit à Satan, il te dit de te prosterner. Mais pourquoi tu n'es pas parmi eux? Il dit, Satan répond, je ne peux me prosterner devant un homme. Je ne peux me prosterner devant un homme. En d'autres termes, on ne peut pas se prosterner devant un homme. C'est-à-dire, il y a certains versets même, on n'est pas obligé d'aller loin pour chipoter souvent de l'autre côté. Satan dit, Satan lui-même sait qu'on ne peut pas se prosterner devant un être humain. Mais lui, il a refusé de se prosterner devant un être humain. Il est venu braquer les autres êtres humains et se prosterner devant un être humain. Alors que c'est que lui, il a refusé de le faire. Continue. Il dit, uh-huh. Je n'ai pu me prosterner devant un homme, oui. Que tu as créé d'argile puissante. Vas-y frère. Est-ce d'une boue maladie malléable? Malléable, uh-huh. Et Allah dit, oui. Sors de là. Allah dit, sors de là. Du paradis. Vas-y. Car te voilà banni. Te voilà banni. Et malédiction sur toi. Malédiction sur toi. Toujours c'est Satan. Hein? Jusqu'au jour de la rétribution. Jusqu'au jour du jugement dernier. Toi tu es maudit comme ça. Jusqu'au jour du jugement dernier. Il dit. Maintenant, Satan commence à parler maintenant. Oui, mon Seigneur. Il dit Allah. Donne-moi donc un délai. Il dit Allah, faut me donner donc un délai. Jusqu'au jour où uh-huh. les gens seront ressuscités. C'est-à-dire, il faut me donner un délai jusqu'au jour du jugement dernier. Allah dit. Uh-huh. Tu es de ceux qui a ce délai est accordé. Tu es de ceux à qui le délai est accordé. Jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Vas-y, frère. Il dit, uh-huh. Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Comme tu m'as induit en erreur, eh bien, uh-huh. je les enjoliverai leur vie uh-huh. sur terre et les engagerai tous. C'est-à-dire, je vais enjoliver les êtres humains dans leur vie sur terre et je vais tout faire pour qu'ils puissent me suivre. Vas-y. Et les égarerai tous. Mm-hmm. À l'exception. Oui. Parmi eux, uh-huh. de tes serviteurs élus, vas-y frère, va. Allah dit, oui. Voici une voie droite uh-huh. qui mène vers moi. Vas-y. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. En tout cas, ceux qui vont adorer Allah, Allah dit, ceux-là seulement, tu ne peux pas avoir d'autorité sur eux. Vas-y. Excepté sur celui qui te suivra. Voilà, maintenant, celui qui va te suivre maintenant. Parmi les dévoués. Parmi les dévoués. Parmi les dévoués. Oui. Et l'enfer sera sûrement leur lieu. Toi-même, Satan. Ceux aussi qui vont te suivre là-haut. C'est l'enfer qui sera votre lieu de rendez-vous. C'est fini. Donc, Satan, c'est super. Eux tous les gens se trouvent là-bas. Tu vois, la même sourate que tu as lu là. Faut lire le verset deux fois. Le jour du jugement dernier. Voilà. Le jour du jugement dernier. Les mécréants voudraient avoir été des musulmans. Il y a certains qui vont vouloir être musulmans maintenant. Tu as vu, non? Donc, quand tu lis la sourate 15 jusqu'au verset 43, toute la réponse des questions que vous avez posées là se trouve là-bas. Allah, il dit à Satan, toi, il est maudit jusqu'au jour du jugement dernier. Mais toi-même, Satan, ceux aussi qui te suivent, vous tous, vos lieux de rendez-vous, c'est l'enfer. C'est dans le même bateau. Inch'Allah. Vas-y, Oustaz. Si tu as des questions, s'il vous plaît. Inch'Allah, venez rapidement. Ibrahim, Ibrahim, faut que tu m'en prennes la vache,
Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un frère qui demande, est-ce qu'on peut séduire une musulmane qu'on veut épouser sans faire haram? Il est où? Non, lui demandant en mariage dès la première. Actuellement, je ne sais pas, le soleil, le 18 est touché. Vous allez me rappeler encore un autre verset où Allah il dit non, vous pouvez le chercher avec en vous basant de votre bien. Oui, c'est aussi un secret qui tue ce verset là beaucoup. Oui, Allah dit vous pouvez le chercher en vous basant de votre bien, un truc comme ça. Bon, je vais pas oublier. Le verset qui Allah dit vous pouvez le chercher en vous basant de votre bien. Moi, je n'ai pas ça. Tous les 10 jours ont pris vraiment. Hein. Mais nous, nous avons la réponse maintenant. Tous les 10 jours ont pris aujourd'hui. Non, c'est du verset là seulement j'ai besoin. J'ai dit, Allah, vous pouvez le chercher en vous basant de votre bien. Il n'y a pas à rentrer dedans. Les mousseaux ou bien qu'est-ce qu'il y a? On voit le mouvement encore. On voit le mouvement encore. Vous voulez tout faire, on va dévoiler le mouvement. Alhamdulillah, le frère demande. Le frère demande que tu peux séduire femme, les trucs comme ça. Il peut la séduire. Sans la toucher. Sans faire haram. Dans le seul souci de la marier. C'est-à-dire, les gens pensent que il y a un temps pour demander une fille en mariage. Vous voyez. Et c'est dans ça souvent, nous les jeunes même, c'est ça qui nous prend souvent, nous-mêmes les jeunes. C'est surat 4 effectivement. Surat 4 verset 24. Et parmi les femmes. Attends d'abord, c'est pas pour être attribué la surat, mais on ne peut pas respirer. Lui, tu fais quoi maintenant même? Pour séduire la soeur et puis après il vient de. Il a séduit, la laisse là et puis ça va. C'est comme un pointeur, non? Comment la voix du pointeur? Bon, nous on va essayer de répondre comme ce que nous on a compris. N'est-ce pas? Et maintenant, s'il veut vraiment de la profondeur, il va aller voir les chououk au quartier ou bien les imams au quartier. C'est tout. Nous, on va essayer de répondre comme on a compris. Parce que là, maintenant, en lui demandant pas à Maria, en lui demandant à Maria, s'il vient maintenant après la moi, je ne comprends pas. Les gens, pourquoi les gens vont se baser sur nos propos ici pour aller faire la fornication avec nos soeurs là? C'est clair. Pas, question qui pose là? C'est un vrai bandit, ce gars. Alors, comme j'étais en train de dire, c'est ça qui nous met souvent, nous-mêmes, les jeunes, dans les soucis. Dans beaucoup de problèmes. Cette histoire de dire que non, je vais être avec elle en concubinage, je vais bien la connaître d'abord, avant de la marier, un an ils sont dedans, deux ans ils sont dedans, trois ans ils sont dedans, quatre ans ils sont dedans, jusqu'à six ans, tu t'en demandes, on dit leur enfant a deux ans. Vous voyez, c'est ça qui nous met dans beaucoup de problèmes. Une fille te plaît là, frère, une fille te plaît là, va demander sa main. C'est clair. À moins que MMM te dit que non, vraiment, je ne veux pas que tu viennes voir mes parents. Ça, c'est un autre cas. Là, c'est clair aussi. Mais elle te plaît là, va dire à ses parents. Si toi, tu veux gagner une femme droite, c'est-à-dire qu'une femme juste. Oui. C'est même pas le mot là même. C'est-à-dire, tu veux voir femme qui n'a pas de problème juste avant de la marier là. Tu as tué là. Parce que les Oussas nous disent, femme, on dit c'est un mal nécessaire. Tu veux pas, tu as besoin de femme. C'est clair. Alors, si tu la vois et te plaît, hey, va demander sa main. Et si toi, tu veux voir une fille qui est. Celle qui est. Pourquoi le mot est en train de m'échapper même? C'est pas bon. Parfaite, merci mon frère. Ah, non, toi, je dis une femme parfaite. Les gens, je te vois ici. Alors, si toi, tu veux voir une femme parfaite, c'est-à-dire que sans défaut, elle n'a pas de problème parfait. Avant de la marier là, hey, mon ami, tu as duré là. Hein? Allah lui-même il dit que nous-mêmes là, on n'est pas parfait. Toi-même tu n'es pas parfait, tu cherches quelqu'un qui est parfait. Attention. Hein? Tu vas où? Mon cher,
là où on se trouve là. Faut te débrouiller ça. Qui dès ton moment va demander sa main. Claire. Si Allah il a facilité de la marier, hey. Elle son problème. Oh. Hey. Toi et puis toi aussi ton problème. Oui. Vous deux vous êtes dans la maison en bas. En tout cas, de la manière où vous allez régler ça, vous allez régler ça. Machiavikan. Voilà. En tout cas, vous allez régler ça là-bas. C'est clair. Non, il n'y a pas à faire. Il faut que je trouve une fille oui. qui est vraiment parfaite. Jusqu'à. Les gens peuvent citer les critères, près de 10 critères. Comme si nous le fait partie. Avant de marier une fille. Oui. Et ce bandit-là, il a au moins près de 4 go. Attention. Et tous ces 4 go-là ne rentrent pas dans son critère. Hey. Ah, le mât. C'est toi aussi, il est franc. Et je ne peux pas s'oublier. Hein? Et c'est vice versa. C'est pas seulement que. Garçon, hein. Même nos soeurs aussi. Hey. Elles aussi, elles ont commencé à. Elles ont des critères qu'on ne sait pas où elles ont enlevé. Attention, voilà. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, elles ne sont pas souvent honnêtes même dans leurs critères. Vas-y. Elles ne sont pas honnêtes. C'est pour ça que je dis ça. Afa. Elles vont dire non, oui. Moi, je veux vraiment un jeune qui prie. Attention. Vraiment un jeune, vraiment qui fait la parole d'Allah. Hey. En tout cas, moi, je veux ça. C'est pas clair. Tu vas aller vérifier au quartier. Le moalim qui enseigne tout le monde dans le quartier, là, elle a refusé. Il est trop vieux. Le tel vient devant sa mère, Dieu ne veut pas. Alors que Dieu veut quelqu'un qui va la réveiller pour aller prier. Oui, frère. Et quand quelqu'un prie là même, tu oui. vois ça. Il prie trop. Hein? Il est trop musulman. Et maintenant, il y en a encore question? La question? Hein? Il y a une question? Question. Ok. Attends, on voulait te parler. Comme il y a une question, Inch'Allah. Ça, il prie trop. Hein? Il y a une question, non? Ok, je vais te passer mon micro. On va y revenir. Inch'Allah. Donc le frère demande la différence entre quelqu'un qui a reçu dans la vie et quelqu'un qui a reçu sa vie. Quelle théorie? Il y a une différence. Il y a une différence, c'est clair? Il y a une différence très claire même. Hein? Il y a une différence. Réussir dans la vie là. Et puis quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est deux choses, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En tout cas, le musulman. Le musulman honnête, le musulman qui essaie de tout faire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir respecter les prescriptions d'Allah, lui, il a réussi sa vie. Maintenant, réussir dans sa vie, ça c'est donné à tout le monde. C'est clair. Comme pour les pharaons là. Tout le monde, tous les pharaons là, ils ont réussi dans leur vie. C'est qu'ils cherchent la tête, ils ont eu. C'est une vie. Ah, ça, c'est la réussite que nous voulons. Mais réussir sa vie là, c'est le musulman parce que le jour du jugement dernier, c'est sa vie là qui va avoir problème. Claire. Jésus dira quelque part, il a dit quoi? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le bien alors qu'il va perdre son âme? Matthieu 6, 37. Vous comprenez? Donc il y a une différence. Réussir sa vie, réussir dans la vie. Alors, l'heure est arrivée ou bien il y a question encore? Il y a question? Ah, on avait dit on va y revenir. Y a question? Ah. Ça c'est le règlement de compte, madame. Ah, ok, ok. Où ça, t'as quelque chose à dire? Ok. L'as-tu? Lis la sourate. Oui. Sourate 24. Et parmi les femmes. Allah dit parmi les femmes. Les dames qui ont un mari. Oui. Sauf celles. Sauf si elles sont vos esclaves à toute propriété. Vas-y frère. Prescription d'Allah sur vous. Va rapidement, pardon. À part cela, oui. Il vous est permis de les chercher. Allah dit à part cela. Moi je vous permets de les chercher. En vous servant de vos biens. En vous servant de vos biens. Allah dit, vous pouvez les chercher en vous servant de vos biens. C'est pas haram. Vous pouvez les chercher. Et ça, quand vous les gagnez là, vous devez les prendre combien? Va au verset 3. Au verset 3. Hein? Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, oui, il est permis d'épouser deux. Allah dit, vous pouvez les chercher avec vos biens. Et quand vous les gagnez, prenez 2, 2, 3, 4. Vas-y. Ça, c'est pas moi qui ai dit, non. C'est écrit. Il a permis d'épouser deux. C'est Allah qui a dit. Allah a dit maintenant là. Il vous a permis d'épouser deux. Trois ou quatre. Ou bien quatre. C'est
pas fini. Lecture. Parmi les femmes qui vous aiment, qui vous plaisent. Parmi les femmes qui vous plaisent. Allah dit prenez 2, 3 et puis 4. Et ensuite. N'est-ce pas? Eh, ça, c'est Allah qui a dit, c'est nous. C'est pas nous. Combien? C'est écrit. Tu regardes là-bas, là, c'est quoi? Ouais, toi-même, on te dit, il faut prendre quelque chose, puis tu dis non, tu ne prends pas. Allah dit, c'est Allah qui a dit. Dans le Coran, Allah dit, oh, ceux qui ont cru en nos signes, ils sont musulmans, Allah dit, entrez au paradis. Allah, maintenant, tout le monde a chaud pour rentrer. Hein. Bagage en même temps. Mais Allah dit, prenez 2, dit, ah! Attention. Kobe. Allah dit, prenez 3 et prenez 4. Pas mieux. Les femmes aussi disent dans le Coran, là, on ne connaît pas un autre verset, si ce n'est pas ça. Bon, oui, c'est ça aussi, nous on connaît. Ça porte votre nom. Ah, si vous avez un verset aussi qui contredit, faites sortir. Hein? Comme on aime souvent dire en ironie, quelqu'un dit, madame, si ton mari est malade, on dit non, pour pouvoir se soigner là, pour être guéri, c'est deuxième femme qui doit le guérir. Elle découvre un verset qui Allah dit dans le Coran, tout d'abord, vous tirera la mort. C'est-à-dire, ça, en d'autres termes, c'est que maladie va le tuer. Ou bien. C'est ça. Alors, donc, on est en train de donner conseil entre nous ici, par rapport aux jeunes, ou bien par rapport à la jeunesse. Ça, ça nous mène dans beaucoup de problèmes. Et je vais vous dire comment Shaitan nous gagne. On est tous jeunes, nous. Comment Shaitan nous gagne? Tu vois la petite dans le quartier, ouais, elle te plaît, elle est zoo, elle est propre, tu as fait quoi, on prend son numéro. Shaitan va te donner toutes les tactiques. En tout cas, elle ne va pas sortir là, tant que tu n'as pas son numéro. Tous les systèmes. 4-4-2. Et quand tu fais tous les systèmes, maintenant, tu vois que non, il n'y a plus de solution. Hey. Pour pouvoir prendre son numéro, comme tu attaques vis-à-vis maintenant, ma chérie, je t'appelle. Okay. Parce que tous les systèmes, tu voulais envoyer un petit, mais tu as vu que c'est soigné. Tu voulais passer par celui avec qui à cause là, mais tu as vu que c'est soigné. Attention. Tu voulais faire un petit plan d'une manière pour prendre, mais tu as vu que c'est soigné. Tu dis, hey. Ma chérie, s'il te plaît, viens. Oh, monsieur là. Colo, colo. Elle va venir. Et tu vas la blaguer. Femme, c'est que tu es en train de la blaguer. Tu la blagues et puis elle croit. Attaque-t-il. Mais toi, tu connais, tu as créé tes rires, tu vas voir couler après. Hein? C'est comme ça, Allah les a créés. Femme, elle sait que tu es en train de la blaguer. Wallahi, bilahi, talahi. Elle sait que lui, là, il est en train de mentir. Mais elle croit en toi. Et puis elle croit en maçon. Alors, et tu vas prendre son numéro. Kozeri va commencer à rentrer jusqu'à ce que ça arrive maintenant. Tu vas la draguer. Elle va regarder ton système. Elle va finir ton système. Elle va regarder ton modèle. Elle va finir ton modèle. Elle va regarder tes manières de faire des mouvements. Elle va finir de regarder tes manières de faire des mouvements. Elle va te dire attends, j'y réfléchis. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle attend de toi qu'elle n'a pas encore eu. Il y a deux cas. Et les femmes, c'est comme ça. Je vais réfléchir. Et dès qu'elle gagne le mouvement net, elle dit ouais, ça vient, c'est validé. Localisation authentique. Là, tu es au 4 ans, je suis un champion. Yako. Ah, là, tu es un champion. Et maintenant, la cousine va rentrer en vous. On a été ici, il oui. Te plaît, va voir ses parents. Mais. Sinon, là, Shaitan va vous. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il y a 3 choses, précipiter ça rapidement. Oui. Quand 2 jeunes parmi les 3, parce qu'il n'y a pas cité les 2 autres, quand 2 jeunes veulent se marier, c'est-à-dire si 2 jeunes se sont présentés devant les parents. Attention. Et puis les parents, nous on veut se marier. Allez, dites mariez-les. Il y a certains parents qui disent que non. Il fait quoi? Toi tu fais quel travail? Un jeune qui a eu le courage de venir. Oui. Ça veut dire que tout ce qu'il va avoir comme problème dans le mariage là, lui qui va endosser ça. C'est pourquoi il est venu. Pour Dieu merci. Mais avant de venir, il a réfléchi. Ouais. Et il a pris son courage, il dit à Gola. Allons là-bas. T'es montré que celui-là. Et maintenant, c'est toi maintenant qui veux parler de l'insubsistance. Qui peut me donner chant d'un oiseau ici? Attention. Chant. N'est-ce pas? Qui veut les donner? Et puis même, si nous avons la foi comme les enfants, oui. On n'aura pas de problème. Un enfant, il voit voiture passer, il dit mon papa va payer voiture là pour moi. Ah, papa n'a même pas vélo. Il dit papa va payer ça là. Et puis la foi en ça, yakin. Ça sort. Il dit à son papa, donne-moi l'argent. Il dit, il n'y a pas l'argent. Il dit, t'empoches là, il y en a.
Alors qu'il n'y a rien là-bas, même. L'enfant a dit il y a non, il y a qui de ça même. Il insiste. Et bien, on demande, il fait quel travail maintenant? Quelqu'un qui a eu le courage de venir. Alors, même s'il ne travaille pas, et qui dit veut marier ta fille, il sait que marier ta fille qui est en train de dire là. Lui-même, il sait qu'il va la nourrir. Est-ce que c'est toi qui as lui? C'est clair. Elle est déjà un enfant. Il n'y a pas de débat sur ça. Il sait que où il va là. Il doit nourrir la femme là. Comment? S'il a eu enfant, il doit prendre soin de l'enfant. C'est ça. Et puis, maison qu'il soit dedans là. C'est qu'il doit prendre, il doit payer ça. C'est ça. Il sait les dépenses qu'il attend. Et puis, il est venu se présenter. Il sait ça. Alors, si toi tu as fait d'une manière, et puis le mariage n'a pas eu lieu, frère, tu viens de fabriquer deux grands fornicateurs dans la vie comme ça. Les bons dieux. Tu viens de les fabriquer. Et ça s'est passé à Kumasi Soweto. Le jeune, il voulait marier la fille. Les parents, tout fait. Alors que le jeune, il est aisé. Il peut s'occuper de la fille comme sans rien même. Et les parents ont refusé parce que, oui, tel est-il, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, zéro. Et puis, il n'a pas marié la fille. Ils ont donné la fille à un autre jeune qui est au Mali. Attention. La fille est partie faire. Ce que vous dites, c'est une histoire, frère. Attention. La fille est partie faire 2 ans au Mali. Elle a eu un enfant avec le gars là-bas au Mali. La fille est venue habiter ici, elle a couché avec monsieur. Son premier gars qu'ils ont refusé, elle est partie chez lui à la maison. Et maintenant, comme on a dit, la fille était très folle. Mon ami, il faut partir. Ils ne vont pas te manger. Ils ne vont rien te faire. Il y a des hommes qui se jouent le compliqué. Il ne va rien faire. Lui, il est compliqué, c'est cadeau. C'est chez lui là-bas. Il faut aller. Mais c'est quand on reste maintenant dans nos coins. On envoie maintenant les messages. Et on dit quoi? Comment tu vois? Tu as bien dormi aujourd'hui? Ah, la bébé, tu sais que. Il y a longtemps. Tu vois, vous allez forcément faire quelque chose d'haram ici. Voilà, il est là. Au début, l'autre a dit que non, lui, il a trop la foi. Non, tu sais, moi, les histoires, les trucs, je ne suis pas, tu n'es pas dans quoi même. Moi, je te donne ta chaîne, tu racontes quoi même. Et garçon, il va trouver, parce que là, l'esprit des femmes, c'est faire face à garçon. Et c'est pourquoi, quand le marmaillé, il avait fait débat à la dame là, sur la polygamie, moi, il a dit, il faut laisser femme là. Faut croiser garçon devant toi. Moi, on est là, non. Et lui, il va te marmailler, il va marmailler ton esprit. Ma chérie, si il ne te voit pas, il ne peut pas dormir. Comment tu peux dire si il ne te voit pas, tu ne peux pas dormir? Alors que tu viens de te réveiller. Il n'a pas sommeil. Quand tu viens de te réveiller, tu ne te vois pas, il ne peut pas dormir. Hein? Tu as dormi hier, tu es réveillé. Maintenant, tu me dis non, si il ne te voit pas, il ne peut pas dormir. Donc, tu as fait quoi hier nuit là? Il m'a ça. Il va marmailler tout dit à la fille jusqu'à ce que. En tout cas, elle va monter, elle va descendre, elle va croire en 1. Il va faire au moins 50 mensonges dans les 50, dans la 1 là, son nom, elle va croire en ça. Et elle va pas, du moins, elle va s'en rendre compte depuis qu'elle est chevée à la maison. Alhamdulillah. Dans ce qui va me trouver un verset encore aussi. Allah a dit, vous êtes encore dans le temps de la Jahiliya, vous êtes encore dans le temps de l'ignorance. Alors, les grands frères disent, il faut qu'on revienne sur les histoires de Détini. Mais c'est bon, même soit 49 verset 10. Ils disent, quand on revient sur les histoires de Détini, que oui, est-ce que pourquoi on dit tel Détini, marie pas tel Détini, tel Détini, marie pas tel Détini. Moi, je demande seulement, eux, ils ont, c'est écrit où? Ils ont vu ça où? Question, hein? Vous avez vu où? Que. Mais un gros rentre chez les sénifaux, il prend deux filles là-bas, non? Sans embouteillage. Et puis on ne donne pas d'autres même. Si c'est les sénifaux, on rentre, on prend cadeau. Ou bien? Mais votre histoire des tini là, vous avez enlevé où? En réalité, le prophète nous a jamais enseigné ça. Allez, le prophète a dit quand quelqu'un dit là, il a là. Il dit, c'est ton frère. En réalité, les musulmans ne sont que des frères. Lais-tu? 49, 10. Rapidement. 49, 10. Hein? Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Allah dit, établissez la concorde entre vos frères. Établissez la concorde entre vos frères. Regarde bien le mot, c'est ça, hein? Oui.
Établissez la concorde entre vos frères. Je pensais que c'était la concordance. Ok. Allah dit établissez les liens entre vous. Le vos histoires de Maraca qui ne marient pas à quoi là? Attention. Hein? Oui. Vous connaissez, l'année de Maraca ne marient pas? C'est une faux. C'est une faux. Pour tout. Bon, c'est une faux, ils ont problème avec tout le monde. Ils ont problème avec Apple, ils ont problème avec tout le monde. Et maintenant, ils viennent maintenant pleurer dans nos mains, nous les gourous. On fait quoi pour vous? Toi, j'ai un problème avec tout le monde. C'est au boulot. Hein? Alors, les frères, prenons le message d'Allah au sérieux. Et prenons les enseignements du messager d'Allah au sérieux. Le messager d'Allah nous a jamais dit que tel peuple ne peut pas marier tel peuple. Non, non, non. Allah nous a jamais parlé de telle personne ne peut pas marier telle personne. Non, non, non. C'est clair. Allah nous a tous considérés comme des frères. Et même le verset, sur 49 là, va au verset 13. Oui, homme. Oh les Arabes. Oui, homme. Oh les Français. Oui, homme. Oh les Tchoulas. Oui, homme. Les Gouros. Oui, homme. Les Zénifos. Oui, homme. Allah dit, oh les êtres humains. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? Écoute. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. J'ai fait de vous des nations. Et des tribus. Et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble d'entre vous. Auprès d'Allah. Allah dit, le plus noble d'entre vous. Auprès de lui, Allah. Est le plus pieux. C'est celui qui est pieux. Allah n'a jamais dit, tel peuple est supérieur à tel peuple. Tel peuple est supérieur à tel peuple. Si tu es dans ça, faut prier, faut pas la mort te trouver. C'est clair. Si la mort te trouve, Allah, vous allez régler ça très 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 cher. C'est ça. Vous allez régler ça très cher. Garde la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse que on soit des musulmans purs et sincères. Amen. Et qu'Allah fasse aussi que les jeunes parmi nous, non mariés, se décide de se marier en commençant par les versets coraniques, Inch'Allah. Surat 49, surat 43, verset 68 à 70. On va conclure ça. Non, non, aujourd'hui, à ce moment, il ne t'autorise pas à donner un verset. Ok. 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 Ok, s'il te plaît, avant comme André le verset de Aston, s'il te plaît, toi quand il va conclure ça, Inch'Allah. On va prendre le verset pour aller rapidement. On a pas la veille de mariage. On brave. Ok. Donc ici, la famille, c'est un peu ça, Inch'Allah. On doit être fait d'être musulman. Et il ne faut pas déjà vous distraire. Ils vont monter, ils vont descendre. Il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a Allah qui est au-dessus de toutes choses. Comme moi et vous, nous tous. On doit être serein dans l'adoration d'Allah. Quel que soit le nombre de temps qu'on va venir sur la terre ici, on va tous partir un à un. Si tu es né seulement, ton œil sur la liste. Tes vœux ou tes forces. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Prends ma Coran, chapitre 50, 34. Surat 50, verset 34, rapidement. Surat 50, verset 34. Nous les musulmans serons en sécurité. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Voilà le jour de l'éternité. Où on sera quoi? Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Reprends. Entrez-y en toute sécurité. Donc, nous les musulmans dans le paradis, on sera en quoi? Sécurité. En toute sécurité. Donc, ici, ça, c'est la garantie d'Allah. Et en même temps, Allah dit ceux qui ont perdu l'espoir en lui, qui pensent que quand il fait telle chose, Allah sacrément n'a plus sur toi. Allah dit non. Prends ma sourate 5, 74. Coran chapitre 74. Et après, tu prends sourate 11, verset 92. Surat 514. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Stop! Ils ne vont-ils pas se repentir à qui? À Allah. Pourquoi? Et implorer son pardon. J'arrive frère, la porte du pardon est toujours prêt à Allah ouvert à l'islam. Parce que Allah est Rahman Rahim. Quand pardonner de tout, c'est lui Allah. C'est là qu'il pardonne tout péché. Mais Allah là-haut, c'est parce qu'il est plein d'amour. Réponds avec ses frères. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Toi tu attends quoi pour accepter Allah? Ne vont-ils pas donc se repentir à Allah? Quand les musulmans qui insultent Allah, t'attends pas pour te repentir à Allah? Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Pourquoi? Vas-y frère! Et implorer son pardon! On doit demander pardon à qui? À Allah!
car Allah est pardonneur et quoi ensuite et miséricordieux. Allah est pardonné, miséricorde Dieu. Surat 11, 92. Vous avez vu rapidement 92. Surat 11, 92. Oui, oui. Il dit. Oui. Oh mon peuple. Mon quoi est. Vas-y frère. Il a vos yeux. La partie Allah est plein d'amour là. C'est 92, non? Soit 90, faut vérifier rapidement. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur. Et repentez-vous à lui. Il y a un cadeau pour tous les musulmans, ceux qui vont partir là. Il y a un patois pour suivre vous. Hein. Revenez à la maison. Tous les musulmans sont levés, revenez ici. S'il vous plaît. En fait, ça va sur vous. Hein. Vas-y, rapidement. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur. Et repentez-vous à lui. Repentez-vous à qui? À lui. Lui qui? Allah. Uh-huh. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux. Allah est vraiment miséricordieux. Et plein d'amour. Et plein de... Amour. C'est-à-dire, là où tu penses que c'est fini pour toi, c'est là Allah agit. Parce que Allah est miséricorde, Rahman, Rahim, et est plein d'amour. Pour vous de la famille, ceux qui pensent que chez nous les musulmans, il n'y a pas tel verset, il y en a même un conteneur. Pour dire qu'on a un souci là, la preuve venue de la Fatia, hier à Kanera Boudou. Donc si on a un souci, on doit lever qui? Faut conclure mon frère. Ok, alhamdoulilah. Donc nous disons à ceux qui nous suivent que vous allez voir que dans la description de nos différentes publications, vous allez voir qu'on met un lien. On met un lien et la plupart des temps, avant qu'on mettait des liens comme ça, on essaie de vous expliquer pourquoi on a mis ces liens là. Mais depuis un moment, on ne vous parle pas de ces du lien qu'on met sur notre publication parce qu'on était dans l'événement de la CAN. N'est-ce pas? On était dans l'événement de la CAN puisqu'on jouait ballon ici en Côte d'Ivoire. Les gens sont venus ici. Et on avait mis quelque chose en place qu'on a dénommé la Dawa CAN. Et vous avez vu ici, on a présenté le Coran. Alhamdulillah, on a effectivement fait ces déplacements-là. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils vont voir qu'on était à Yamsokoro, et Yamsokoro on était à Boaké, et Boaké on était à Korogo, et Korogo on est revenu ici à Abidjan, et Abidjan est parti à San Pedro. Et les gens ils ont vu cette chale-là. Et beaucoup de personnes ont vraiment demandé le Coran. C'est là on a compris que ceux qui ont encore besoin du Coran sont encore plus nombreux que même des musulmans. Parce qu'on était envahis par des non-musulmans. On était envahis, je vous l'ai dit ici. S'il y a au moins près de 1000 musulmans, 1000 non-musulmans qui vont prendre le Coran, il y aura forcément 50 dedans qui vont se convertir. Si 50 ne se sont pas convertis, j'ai parlé ça juste là, j'ai dit, mais il y aura même une personne dedans qui s'est convertie. Et par la grâce d'Allah, dans cette tournée, devant nous, les gens se sont convertis. Ils nous ont même pas posé question même. Ils sont venus pour nous, on est venus se convertir. Et c'était, on dit, c'était la première fois depuis qu'ils sont nés et ils voyaient le Coran en français. Alors, les grands frères sont allés dans un arrêt ici à Abidjan. Et avec trois Corans seulement. Et quand ils ont fini de prêcher, ils ont dit, nous avons trois Corans totalement en français ici. Quels sont ceux qui veulent ces Corans-là? Ils étaient étonnés de voir des papas. Ils étaient étonnés de voir des hommes responsables, les envahis. Dit qu'ils veulent ça même. Alors, dans ce moment-là, qu'est-ce que nous avons fait? N'est-ce pas? Avec plein de réflexions après, les grands frères ont jugé bon qu'on continue. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête. Oui. Alhamdulillah. Donc les usages, on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer. Alors, comment nous on doit continuer si vous ne contribuez pas? Et c'est pourquoi quand vous avez contribué, vraiment nous vous remercions pour ça. Beaucoup de personnes ont contribué. Et il y a même un imam, nos papas imam. Hein? On dit Doumia. Mori Moussa, qui nous. Mori Doumbia, n'est-ce pas? Faut pas qu'il vienne donner son nom, hein? On va parler doucement. Imam Mori Doumbia. L'imam là, nous a envoyé près de 4 cartons de Coran. Il n'est pas dit nous envoyer 4 Corans. Il nous a envoyé 4 cartons de Coran. 4 cartons de Coran. Et moi, je pense que si on a eu au moins 10 personnes comme ça qui nous envoient des cartons de Coran. Vraiment. En Côte d'Ivoire ici seulement, ça va chauffer. Et quand on a fait la Dawa CAN, hier il y a une idée qui m'est apparue. Il y a dit, c'est parce que nous les musulmans même,
quand on parle de faire l'œuvre d'Allah, voilà, on ne se presse pas. Hein? D'autres vont demander, est-ce que. Sinon, Tawa Khan devait se passer chaque Khan. Ça veut dire chaque fois qu'il y a Khan, même si c'est en Égypte, nous, Din Djamma, doit aller présenter le message de l'islam là-bas. Normalement, on devait mettre les moyens colossaux pour ça. Parce que c'est notre devoir. Parce que c'est ce qu'on devait faire même. Mais bon, nous, Din Djamma, n'a qu'à dire que, bon, comme il y a Khan au Maroc là, on peut aller faire Tawa Khan là-bas. Les gens m'ont fait sortir parole ici. Allahu Akbar. Les gens m'ont fait sortir parole ici. Hein, donc pourquoi voilà, vous n'avez pas suivi? Tu veux voyager. Hein, tu veux monter dans, maintenant dans l'avion pour aller. Alors que c'est l'œuvre d'Allah. Le messager il a dit, il dit 40 fois à ta droite, à ta gauche, comme devant toi. Ils vont témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Comment tu peux te défaire de ça? Comment? Donc alhamdulillah, la Tawa Khan s'est bien passée, on a partagé le Coran. Et maintenant, on a mis maintenant un lien maintenant qui est sur nos trucs, qui est sur nos pages. On était au Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Et comme toujours le musulman, il dit c'est pas lui qui fait, mais c'est Allah qui fait. Et vous avez vu ce qu'Allah a fait par nous là-bas. N'est-ce pas? Les gens qui se disaient prophètes, vraiment, ils ont compris que vraiment leur prophétie là n'est pas encore pleine. Et il y a un qui est venu jusqu'à Abidjan ici. Et on a fait un débat avec lui. On doit répartir là-bas encore. Cette fois-ci dans les deux Congos. Donc c'est pourquoi on a mis maintenant la cagnotte. Donc, c'est pourquoi maintenant on a mis la cagnotte pour ceux d'Internet, ceux qui sont en Europe. Et bon, il y a certaines personnes aussi qui ont des cagnottes ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez déjà cotiser là-bas. Inch'Allah, peut-être dimanche prochain, les grands frères vont venir sur ça en long et en large. Donc frère, lève-tu et on va terminer avec ça, Inch'Allah. 43-68. Oui, mes serviteurs. Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir peur. Vous ne serez point affligé. Hein? Ceux qui croient en nos signes. Quels sont ceux qui croient en signes Allah? Ceux qui croient en nos signes. Oui. Et sont musulmans. Et ils sont quoi? Et sont musulmans. Allah dit quoi? Entrez au paradis. Allah dit entrez au paradis. Entrez au paradis. Alors vous allez attester avec moi. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. 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 Rasulullah. Rasulullah. Allah vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.